ce soir m'apporter la douce espérance. Sébastien Collin est maître de conférences en géographie au département d'études chinoises de l'INALCO, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est et coordinateur scientifique de l'Institut européen d'études chinoises. Sébastien Collin a également été chercheur au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong jusqu'en 2018. En 2011, il a publié chez Armand Collin une monographie intitulée « La Chine et ses frontières ». En 2015, c'est cette fois à la documentation française qu'il publie « La Chine, puissance mondiale ». En 2017, il publie aux éditions L'Harmattan « La France et la République populaire chinoise, contexte et répercussions de la normalisation diplomatique », coécrit avec Françoise Kreisler. Sébastien Collin est également un contributeur régulier des dossiers pédagogiques des éditions Armand Collin et notamment, il publie en 2019 un volume consacré aux nouvelles routes de la soie. C'est parti, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes remerciements aux organisateurs de ces géopolitiques de Brest et les remercier de m'avoir invité pour parler des questions relative à la puissance maritime de la Chine. Donc, comme cela a été mentionné dans le générique, je suis Sébastien Collin, maître de conférences en géographie à l'INALCO, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est et coordinateur scientifique depuis le mois de septembre dernier de l'Institut européen d'études chinoises. Je vais donc aborder aujourd'hui la question de la construction de la puissance maritime de la Chine. Comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, c'est une intervention qui initialement aurait dû avoir lieu le 12 février 2021 lors d'une session qui justement était relative à la question de la Chine et la mer. Donc, n'étant pas intervenu lors de cette session-là, je vais reprendre aujourd'hui un certain nombre d'éléments que je pensais effectivement initialement donner.
Alors, je reviendrai dans le cadre de cette intervention sur les grandes étapes et les objectifs que la Chine s'est fixés pour devenir une puissance maritime. Et puis, j'aborderai dans un second temps un certain nombre de questions plus spécifiquement portées sur la pêche, notamment, et donc la politique de la Chine en matière de pêche. Donc tout d'abord, un premier point concernant les principales étapes de la construction de la puissance maritime en Chine. Tout d'abord, un premier point qu'il est important de prendre en ligne de compte pour comprendre également aussi cette volonté farouche des autorités chinoises de transformer le pays en grande puissance maritime. Et donc un premier point qui insiste sur à la fois le retard, le terme de victime et le désavantage géographique. Donc j'irai très vite sur ce point-là. Retard et victime sont un peu interrelés l'un et l'autre, si je puis dire. Retard, c'est que la Chine, effectivement, est en retard par rapport aux autres grandes puissances maritimes. Et donc, historiquement, quand bien même la Chine a été sur les mers, notamment durant la dynastie des Ming, elle a, par rapport aux grandes puissances occidentales, eu un retard important dans la construction de la puissance maritime. La notion de victime, qui est très ancrée et qui est liée aux fameuses guerres de l'opium et aux impérialismes occidentaux de la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et donc, la Chine estime avoir été victime de ces grandes puissances occidentales qui étaient des grandes puissances maritimes à l'époque. Et puis, le désavantage géographique que l'on voit très bien sur cette carte, quand bien même nous avons ici une région importante, mais si vous focalisez effectivement la position de la Chine, hein, vous pouvez voir qu'elle est entourée par un chapelet d'îles et de péninsules, et que les mers bordières de la Chine sont des mers semi-fermées, hein, comme la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale, et donc la Chine n'a pas une ouverture sur l'océan Pacifique, à l'image de ce que les États-Unis, par exemple, ont de leur côté. Et donc, il y a une représentation, si vous voulez, du désavantage géographique au sein des acteurs et des dirigeants chinois et des marins chinois sur le fait que, effectivement, par rapport à d'autres puissances, la Chine a ce désavantage avec la présence de ces États, dont un certain nombre, d'ailleurs, ont des accords de sécurité avec les États-Unis et parmi eux, bien sûr, le Japon et la Corée du Sud qui ont sur leur sol des bases américaines. Donc, à ce désavantage géographique s'ajoute également, bien évidemment, un dispositif stratégique qui est jugé comme étant très désavantageux aux yeux donc des autorités chinoises. Donc, il faut, si vous voulez, lorsqu'on s'intéresse à la construction de la puissance maritime de la Chine, bien avoir à l'esprit ces éléments de base, hein, qui sont à la fois le retard, cette perception d'avoir été victime, bien ancrée, et ce désavantage géographique. Ensuite, on assiste, et donc pour revenir là aux prémices, si vous voulez, de cette construction de la puissance maritime, à un retour vers la mer au cours des années 80 et 90. Donc ce retour vers la mer, il est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la politique de réforme et d'ouverture que les autorités chinoises lancent à la fin des années 70 et au début des années 80. Une politique de réforme et d'ouverture qui a pour objectif d'ouvrir le pays sur le monde et de l'intégrer dans les réseaux du commerce extérieur notamment. Et donc, il y a là, bien évidemment, une importance du secteur maritime proprement dit, notamment par le biais des ports et par le biais du trafic maritime qui est inhérent à cette possibilité et à cette volonté de la Chine de développer son commerce extérieur.
Vous avez également comme deuxième facteur important la reprise du dialogue et la renormalisation des relations avec l'URSS, qui s'opère au cours des années 80, après deux décennies au cours des années 60 et 70 de rupture totale et de très fortes tensions entre la Chine et l'URSS. Et cette reprise du dialogue et cette renormalisation des relations avec l'URSS permet à la Chine d'être un peu moins préoccupée de sa périphérie continentale et de ses frontières du nord et de l'ouest, c'est-à-dire la longue frontière sino-soviétique, et donc de reprendre en considération la défense maritime. Et donc c'est là où on voit émerger un certain nombre de notions prônées par l'amiral Liu Ruoxing, qui est considéré comme étant le père de la modernisation de la marine chinoise, et donc cette volonté de faire passer l'armée chinoise d'un statut de défense côtière à une défense des mers proches, c'est-à-dire donc les espaces maritimes des mers de Chine orientale et mers de Chine méridionale. Et c'est à ce moment-là qu'est lancée donc la modernisation de la marine, quand bien même, effectivement, c'est une modernisation qui va être lente à ses débuts, mais elle va s'accélérer, bien sûr, à mesure que les moyens financiers vont augmenter et que les autorités chinoises pourront, si vous voulez, consacrer une enveloppe plus importante à cette modernisation de la marine, qui est bien évidemment en lien avec la modernisation de l'armée chinoise dans son ensemble. Et puis, aux côtés, bien évidemment, du facteur financier, il va y avoir aussi une volonté beaucoup plus forte, notamment à partir des années 2000 et 2010, de devenir une puissance maritime, ce qui va bien sûr avoir un impact sur l'accélération de la modernisation de la marine. Un troisième facteur au cours de ces années 80 et 90 que l'on peut mettre en évidence pour expliquer ce retour vers la mer de la Chine, c'est l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Donc, une convention, comme vous le savez, qui est entrée en vigueur en 1994. La Chine a signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, tout en restant très réservée sur un grand nombre de clauses de celle-ci, notamment la question du droit de passage inoffensif des navires militaires en mer territoriale, un principe contre lequel elle s'est toujours opposée et contre lequel elle était opposée en 1982, mais cela ne l'a pas empêchée de signer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les représentants chinois de l'époque, considérant que, en dépit de toutes les imperfections qu'il y avait au sein de cette convention, de leur point de vue, il était important pour la Chine de la signer, puisque la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer apparaissait alors comme une victoire des pays en voie de développement sur les impérialismes maritimes occidentaux. Donc on est dans une logique assez idéologisée à l'époque, quand bien même cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été mise à profit très fortement par les pays occidentaux eux-mêmes, même s'ils défendaient un certain nombre de mesures, n'allant pas forcément en direction des pays en voie de développement, mais ils se sont quand même rangés à un certain nombre de clauses qu'ils ont jugées comme étant à leur avantage. Mais en tout cas, du côté chinois, il faut comprendre, si vous voulez, ou mettre en évidence cette signature plus ou moins par défaut, si je puis dire, ou pour montrer une solidarité de la Chine vis-à-vis des pays en voie de développement, et puis en parallèle, une volonté de s'opposer à un certain nombre de clauses. Et c'est ce qui explique pourquoi la Chine a promulgué ensuite, en février 1992, par exemple, une loi sur la mer territoriale et la zone contiguë, ou encore en 1998, une loi sur la zone économique exclusive et le plateau continental, au sein desquelles elle met en évidence les éléments qu'elle défend et qui ne sont pas forcément en conformité directe avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un troisième temps, un deuxième temps ensuite, peut être mis en évidence, à savoir donc le développement d'une stratégie maritime nationale au cours des années 2000 et 2010. Et donc là, j'ai listé toute une série
si vous voulez, de décisions qui ont été prises et qui témoignent de cette volonté de transformer la Chine en puissance maritime. Hein, les années 80 et 90, si vous voulez, on y retrouve les bases et les prémices, et puis il y a véritablement l'accélération et une priorisation qui est faite de cet objectif. Donc, on voit apparaître cela à partir du 10e plan quinquennal pour la première moitié des années 2000, où on voit émerger des objectifs de développement maritime. Le livre blanc de la défense en 2006 indique clairement la volonté de défendre les droits et les intérêts de la Chine dans les mers de Chine et au-delà. Et c'est un tournant qui montre l'accélération ensuite de la modernisation de la marine, qui s'est effectivement très fortement accélérée à partir du milieu des années 2000. En 2008, on a assisté à la première mission anti-piraterie de la marine chinoise dans l'océan Indien. C'est les prémices de la projection de la puissance maritime chinoise au-delà de ces fameuses chaînes d'îles que j'ai localisées tout à l'heure sur la carte. Et puis, un plan d'action qui avait pour objectif donc, d'augmenter les capacités de la surveillance maritime, puisque, aux côtés de la modernisation de la marine, il faut prendre en considération aussi que la Chine a très fortement modernisé les structures de sécurité nationale et civile directement en charge de la gestion des espaces maritimes. Et donc, la surveillance maritime, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait en 2008, s'est vu accorder un plan de modernisation pour justement administrer et surveiller et contrôler de façon plus efficace et plus stricte les espaces maritimes bordiers de la Chine, c'est-à-dire les mers de Chine orientale et méridionale. Dans la seconde moitié des années 2000, toujours preuve de cette accélération, vous avez le 11e plan quinquennal qui donne beaucoup plus de place aux questions maritimes, avec une section nouvelle sur la protection et le développement des ressources océaniques, ce qui sous-entend ici une prise en considération par les autorités de la dimension environnementale et de la nécessité aussi de protéger les ressources, question sur laquelle je reviendrai sans doute lorsque j'aborderai la question de la pêche. Et puis le 12e plan quinquennal, qui concerne la première moitié des années 2010, appelle quant à lui très officiellement à la construction d'une grande puissance maritime. Ça correspond à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le président actuel de la République populaire, qui a cet objectif en tête, et c'est lui qui participe très fortement aussi à encourager le pays sur cette voie. Donc, d'où quelques mentions ici sur des décisions qui ont été prises. En 2012, donc, vous avez la création d'un groupe de dirigeants sur les droits et intérêts maritimes directement dirigé par Xi Jinping. Et les groupes de dirigeants ont un pouvoir important en Chine, puisque c'est dans ces groupes en fait, que se décide toute une série de stratégies et de politiques, et au sein desquels on retrouve les plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Le 18e congrès du Parti communiste chinois en novembre 2012 a officiellement également mis en évidence la construction de la grande puissance maritime avec quatre caractéristiques principales. La capacité de la Chine à exploiter les ressources océaniques, le développement de l'économie maritime et des sciences et technologies, la préservation de l'environnement marin et la protection des droits et des intérêts maritimes. Donc vous retrouvez là, si vous voulez, plusieurs volets du domaine maritime, et plus seulement uniquement la question de la modernisation de la marine, mais bien une prise en considération aussi de l'importance de l'économie maritime, des sciences et technologies, de cette nécessité d'exploiter les ressources. Et donc, toute une série de mesures vont être prises en Chine pour, si vous voulez, accélérer et développer l'ensemble de ces secteurs, y compris en matière de recherche, d'océanographie, etc. On voit ici, bien évidemment, également la question de la préservation de l'environnement marin et la protection des droits et des intérêts maritimes. Là, on est plus spécifiquement sur la question des mers de Chine orientale et méridionale, où, comme vous le savez, il y a des litiges en matière de souveraineté territoriale. Les intérêts maritimes, c'est aussi la protection des routes océaniques et des voies maritimes, dont, vous le savez, la Chine est très dépendante sur le plan économique.
Vous avez, bon, j'ai mis une citation de Liu Zhegui, qui était à l'époque directeur de l'administration syndic d'État, alors qui est une administration qui n'existe plus parce qu'elle a été réformée, mais qui, à ce moment-là, mettait en évidence la capacité à développer, utiliser, protéger et contrôler les océans. Donc là, on est toujours dans cette même ligne. Et le 13e plan quinquennal, donc plus proche de nous, pour la deuxième moitié des années 2010, mettait en évidence cette volonté d'étendre l'espace économique de la Chine dans les espaces maritimes, bien évidemment, et cette volonté aussi, dans le cadre des fameuses routes maritimes de la soie, de construire toute une série de hubs maritimes stratégiques, hein, notamment le long, justement, de cette grande route maritime, principalement celle qui traverse l'océan Indien. Et donc, tout ça a nécessité plusieurs mesures, approfondir les recherches relatives à la mer, répondre de manière appropriée aux infractions étrangères. Donc, tout ce que je mentionne là sont des citations, hein, bien évidemment, du 13e plan quinquennal. Donc, répondre de manière appropriée aux infractions étrangères, c'est typiquement la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale dans les mers de Chine. Et bien évidemment, ça permet d'expliquer toutes les actions que la Chine a prises dans ces espaces ces dernières années. La volonté de renforcer les capacités des agences d'application de la loi maritime, donc une nouvelle fois, là, pas seulement l'armée, mais aussi toutes les structures civiles ou de sécurité non militaires, si je puis dire, en charge de l'administration de ces espaces. Et puis, une mention aussi, qui est celle de participer activement à la construction d'un ordre maritime régional et international. Donc ça, c'est une mention importante qui est apparue dans le cadre de ce 3e plan quinquennal et qui mérite d'être soulignée. C'est un peu en lien aussi avec cette question des institutions internationales et du rôle de la Chine dans ces institutions. Participer activement à la construction d'un ordre maritime régional, ça veut dire que les autorités chinoises se sont fixées comme objectif, effectivement, de participer à l'ensemble de ces structures internationales en charge, bien sûr, des différents secteurs en lien avec la mer, que ce soit les pêches, le transport maritime ou autre. Mais cette construction se fait aussi par une volonté d'influer, bien évidemment, sur cette évolution et, dans le même temps, de protéger les intérêts maritimes du pays. Et donc, on peut l'observer notamment dans les négociations qui ont lieu sur la gestion des espaces de haute mer et les nouvelles négociations qui ont été menées ces dernières années, où un certain nombre d'observateurs mettent en évidence effectivement un rôle de plus en plus fort et actif des dirigeants chinois ou des représentants chinois au sein de ces négociations, notamment sur la gestion des eaux en Antarctique. Et donc qui propose effectivement des zones de protection maritime, mais suivant des normes qui sont parfois différentes de ce que, par exemple, l'Union européenne pourrait proposer de son côté. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque Xi Jinping a fixé comme objectif effectivement cette volonté de participer et bien évidemment d'influencer l'évolution de l'ordre international d'une manière générale, et donc ça se vérifie également, bien sûr, dans ces différentes institutions en charge de la mer. Alors, la question des administrations maritimes, sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement si vous avez des questions par rapport à cette réforme, hein, qui est un peu technique. La Chine a entre 1998 et 2013, elle s'est dotée entre 1998 et 2013 de toute une série d'administrations et de structures, et ensuite, donc, elle a lancé de grandes réformes en 2013 et 2018, dont l'objectif est de rendre beaucoup plus efficace le fonctionnement de ces différentes structures, et donc, de fait, bien sûr, de rendre beaucoup plus efficace sa politique en direction des espaces maritimes. Alors, cette volonté de la Chine de construire une grande puissance maritime répond à plusieurs enjeux. Vous avez comme premier grand type d'enjeu, les délimitations maritimes en mer Jaune, en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale.
je n'insisterai pas sur ce point, puisque j'ai pu comprendre que vous aviez déjà eu par ailleurs des présentations sur ces questions. Maintenant, si vous avez là une nouvelle fois des questions par rapport à cela, je pourrais éventuellement y répondre lors de la discussion. Et vous avez également comme enjeu la pêche et l'exploitation des ressources minérales qui sont aujourd'hui effectivement des enjeux très importants pour les autorités chinoises. Alors la question de la pêche est un peu spécifique puisque bien évidemment elle a toujours été importante à l'échelle pour les autorités dans la mesure où vous avez des enjeux alimentaires bien évidemment et donc la pêche a toujours été l'objet de politiques visant à son développement. En revanche, ce que l'on observe depuis les années 90 et 2000, parallèlement à cette volonté de construire la grande puissance maritime, c'est un développement très important de la pêche en haute mer ou de la pêche longue distance, où l'on a vu effectivement une flotte chinoise se moderniser et se développer de manière importante ces deux dernières décennies. Alors, la politique de la pêche chinoise, elle est assez ambivalente, en tout cas dotée d'une certaine complexité. Il y a un objectif majeur aujourd'hui qui est en fait présent depuis maintenant 20 ans, qui est de limiter la surpêche dans les mers bordières de la Chine, c'est-à-dire dans les mers de Chine orientale, mer jaune et mer de Chine méridionale, par le biais de moratoires, par le biais de réduction de flotte, en essayant de stabiliser les captures dans ces espaces. Mais dans le même temps, les autorités chinoises doivent répondre à la croissance des consommations chinoises et mondiales de ressources halieutiques, puisque la Chine non seulement doit approvisionner son marché national, mais aussi exporte une partie donc, de ses captures ou de ses produits transformés de ces prises à travers le monde. Et par ailleurs, pour répondre justement à cette volonté de réduire la surpêche dans les eaux côtières, la Chine a très fortement développé au cours des années 90 et 2000 l'aquaculture, mais qui de fait a eu aussi des répercussions sur les captures dans la mesure où pour alimenter l'aquaculture, hein, on utilise, comme vous le savez, sans doute des farines de poisson, et donc ça multiplie en fait les besoins de matières premières, si je puis dire, et une grande partie de la pêche longue distance chinoise est en fait vouée à produire de la farine de poisson pour alimenter les fermes aquacoles situées sur le littoral chinois et qui ont, elles, pour objectif, bien sûr, d'alimenter le marché national, voire international. Donc, ceci a généré également des problèmes en matière de pêche illégale, puisque ce désir aussi de répondre à une croissance et à des besoins croissants a fait qu'un grand nombre de navires chinois ont été pris en flagrant délit de pêche illégale ou accusés de pêche illégale. Et donc, ces dernières années, on a vu les autorités chinoises mettre en place des mesures pour essayer de lutter contre cette pêche illégale, notamment à partir de 2017, toute une série donc de mesures qui étaient déjà, si vous voulez, dans les textes au début des années 2000, mais qui n'ont pas forcément porté leurs fruits au cours des années 2000 et 2010, pour des raisons diverses et variées qui sont liées aussi au rôle des acteurs provinciaux chinois qui n'ont pas toujours suivi de manière très stricte les directives qui étaient passées ou données par les autorités centrales. Je pourrais éventuellement apporter quelques compléments sur ce point. Pour le reste, réduction de flotte, stabilisation des prises dans les mers de Chine, ce sont des éléments qui ont été mis dans ces nouvelles mesures de 2017, mais qui étaient également déjà présentes en 2000. Donc, bien évidemment, reste à voir quel sera l'impact réel de ces nouveaux objectifs mis en place ces dernières années en matière donc de capture à la fois dans les mers de Chine, mais aussi dans les espaces maritimes plus éloignés.
Voilà, je crois avoir pris mes 20 minutes et peut-être même quelques minutes de plus, donc j'arrêterai ma présentation sur ce point et je reste bien sûr à disposition pour vos éventuelles questions tout à l'heure. Merci de votre attention. Elsa Lafaye de Michaud est maître de conférence à l'Université Rennes 2. Elle est membre du Centre Asie du Sud-Est, fondé en 2006 par l'INALCO, le HESS et le CNRS. Ses travaux de recherche portent sur l'étude du développement économique en Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Malaisie. Elsa Lafaye de Michaud a publié de nombreux ouvrages sur la question et très récemment « The Development of Malaysian Capitalism from British Rule to the Present Day ». Et je vous laisse lancer le partage d'écran si vous voulez. Redresse un petit peu votre écran et regardez votre caméra à vous, du coup. Voilà, un petit peu moins, parfait. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est dans troisième phase à la fois, moi. Dans le bureau de Sébastien Collin à Paris, avec vous ici et en ligne avec l'école navale de l'autre côté de la rade, c'est ça? D'accord. Donc, merci de m'accueillir. Merci aux collègues de m'avoir accueilli très 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 bien. Il y a un petit film qui est passé pour dire que je suis économiste du développement, spécialiste de la Malaisie et très concernée et consciente de la montée en puissance chinoise que moi j'aborde à partir des territoires sud-est asiatiques, c'est-à-dire à la fois de la région ASEAN. Vous avez entendu parler de l'organisation régionale sud-est asiatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la montée en puissance chinoise vue par les dirigeants d'Asie du Sud-Est, donc les élites politiques de ces pays, mais aussi la montée en puissance chinoise appréciée par les populations, rencontrée dans la vie quotidienne, dans les effets sur la vie des populations. Et enfin, cette montée en puissance chinoise, je l'aborde du côté du paysage, depuis l'Asie du Sud-Est toujours, le paysage à la fois industriel, environnemental, urbain. Là, je travaille avec des collègues qui sont sur les transformations urbaines liées au projet chinois dans la région sud-est asiatique. Je travaille sur ce sujet avec des économistes et des géographes depuis la publication d'un ouvrage à trois voix qui s'appelait « Malaisie-Chine, une précieuse relation » et qui a été rédigé avec un collègue en sciences politiques qui s'appelle David Delfoli. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un spécialiste de diplomatie de relations internationales et un grand spécialiste de la Malaisie. En économie politique, donc ça c'est mon apport. Et puis en géographie, je travaille avec Nathalie Faux, qui est une spécialiste géographe de l'Université de Paris des espaces maritimes sud-est asiatiques. Malaisie-Chine donc, avait été réalisée à l'époque, c'était assez pionnier comme travail. La Chine, vue d'un pays où elle apporte énormément de transformations et elle se lie avec les élites locales. Depuis, on travaille toujours sur les mêmes objets avec Nathalie Faux et puis d'autres géographes et d'autres économistes sur les investissements et l'aide chinoise, dont on verra, et c'est la fin de ma présentation, qu'elles sont étroitement liées, entrelacées, à la fois l'aspect aide et l'aspect investissement en Asie du Sud-Est. Vous le savez peut-être, le travail sur l'aide chinoise, les investissements chinois est déjà entamé depuis plus d'une dizaine d'années sur l'Afrique, qui a joué vraiment un laboratoire de la projection chinoise à l'international. Mais maintenant, cette projection commence à être abordée au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et là, le travail commence à commencer récemment. Et donc, je reviendrai sur ces débats, enfin, en tout cas, sur en toile de fond de ma présentation.
Par ailleurs, il se trouve que j'ai monté un groupe de recherche qui s'appelle ASEAN China Norms et qui réfléchit aux normes sociales, aux transformations et à la circulation des normes sociales liées au développement chinois et portées au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et quand je parle de normes sociales, c'est à la fois les normes de travail, mise au travail, conditions de travail, droit du travail. Et puis, c'est les normes politiques et qui, évidemment, font beaucoup de débats, surtout en ce moment. Alors, puisque je suis là, c'est vous proposer un regard d'économiste sur les effets et les manières de faire de la Chine au-delà d'elle-même. De mon point de vue, enfin du point de vue que je vous propose ici, on est assez sensible aux enjeux, aux perspectives, aux contraintes matérielles que rencontre la Chine dans son développement. Et c'est sous cet angle-là qu'on regarde sa participation aux organisations internationales, puisque c'est ce qu'on a demandé d'aborder avec vous. Moi, cette participation aux organisations internationales, je vais vous montrer qu'on l'aborde, on peut l'aborder par le biais de ce qui s'appelle en économie de développement l'aide au développement. Et c'est au titre de l'aide au développement qu'on va pouvoir mesurer la participation de la Chine aux organisations internationales. En effet, cette participation aux organisations internationales, dont vous entendez parler plutôt sur un plan géopolitique, de relations internationales et de stratégiques, elle a aussi un volet matériel, quantifiable en économie. C'est ça que j'amène dans le cadre de cette intervention. Si on regarde ce que fait la Chine à l'étranger sous l'angle de ses propres contraintes et des besoins de son développement, alors il y a des débats qui sont un petit peu décalés. L'internationalisation de la Chine devient pas seulement un enjeu de puissance, une recherche de puissance, mais peut-être d'abord et avant tout un enjeu de développement pour le pays. Et donc cette intervention va vous proposer de décaler le regard d'un côté vers l'Asie du Sud-Est, qui est le point de vue d'où j'arrive, et d'autre part, je décale le regard sur les enjeux économiques en s'intéressant à la nouvelle donne de la présidence chinoise dans l'ordre international, vue par des questions de mesure. En amenant des questions de mesure quantitatives de cette présence. Alors, donc, on peut commencer, il me semble. L'idée, donc, ici, c'est de vous donner des éléments de connaissance et de réflexion sur la Chine dans les organisations internationales. À partir, vous le verrez en intro, d'une évidente implication à la fois croissante et massive de la République populaire de Chine dans les organisations internationales, à se commencer par les agences de l'ONU. Et à partir de là, je vais revenir non pas sur les stratégies d'influence que le pays souhaite mettre en œuvre à partir de la nouvelle position qu'il a acquise et sur les objectifs visés, mais plutôt sur le financement de cette position, ce qui va nous ramener à la problématique de l'aide internationale chinoise, qui est une question très économique. En effet, que sait-on de cette aide ? Alors, en fait, pendant longtemps, ça a été un peu de choses, parce qu'on avait des gros problèmes de mesure, et donc vous allez comprendre pourquoi. Mais maintenant, on en sait un tout petit peu plus. Comment est-elle organisée ? Et puis, on va répondre à la question, pourquoi est-elle difficile à mesurer ? Et la commande qu'on m'a faite tombe à pic, puisqu'il y a un rapport qui vient de sortir en décembre dernier, ou en novembre, par un très très bon spécialiste japonais de l'aide au développement, sachant que vous savez, l'aide au développement en Asie, c'est le numéro un, c'était le Japon, et c'est toujours le Japon, mais c'est les Japonais qui, voyant arriver ce nouvel acteur, ont vraiment fait le travail d'essayer de mesurer malgré les problèmes de données officielles. Et donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait de l'aide chinoise au niveau de l'Asie du Sud-Est ? Et là, je vais vous montrer des éléments de mesure, je vais vous montrer les limites de la mesure qu'on a, et je vais vous parler d'un projet de recherche qui, si on a le temps, et si ça vous intéresse, se monte en ce moment pour répondre à ces questions. Mais commençons par poser le cadre, qui est celui d'un surgissement de la Chine, non seulement comme membre et acteur de bonne volonté des organisations internationales, mais aussi aujourd'hui comme dirigeant d'organisations internationales et notamment des organisations de l'ONU. Alors, donc on parle de surgissement à la Chine. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, ça s'est mis à devenir évident, ça s'est mis à devenir massif en 2019, quand la Chine s'est retrouvée à la tête de la FAO, la Food and Agriculture Organization, qui est la grande organisation du développement agricole mondial basée à Rome.
le directeur de la FAO, est chinois, donc depuis 2019. Mais à la faveur de l'entrée de la Chine à la direction de la FAO, certains ont remarqué que par ailleurs, la Chine était déjà directrice de l'Union internationale des télécommunications. Et quand vous connaissez le conflit Huawei et tous les enjeux autour de la 5G, vous comprenez que c'est très significatif. La Chine est aussi à la tête de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, de l'ONUDI, l'Agence de l'ONU pour le développement industriel, et donc de la FAO. Donc ce n'est pas une seule agence de l'ONU que la Chine dirige maintenant, on en est à 4. C'est un parcours très impressionnant en termes de positionnement et de prise de leadership dans les organisations internationales. Si on se souvient qu'en 2001, quand la Chine est arrivée à l'OMC, elle a d'abord, et longtemps, et de manière qui a été étudiée par notamment des anthropologues, pris le temps de comprendre comment ça marchait, comprendre comment le jeu se jouait. Donc la Chine, en 2000, dans le début des années 2000, commence à entrer dans les organisations internationales, sur la scène internationale, et à se familiariser avec la complexité de la gouvernance économique mondiale, et en tant qu'acteur, en tant que membre, quelques moins de 20 ans après, elle est à la tête de 4 de ces institutions. Il y a un article du Temps de Genève qui est paru donc en décembre, lorsque la Chine est arrivée à FAO, en disant que la boulimie chinoise ne poserait pas de problème en soi, puisque la Chine est d'ailleurs devenue le second contributeur des Nations Unies, y compris, vous savez, la Chine intervient dans les missions, dans les opérations de maintien de la paix, mais le problème, selon Norman, c'est qu'une fois nommés, les directeurs chinois ont tendance à se comporter non pas comme des fonctionnaires internationaux au service de l'ONU, mais plutôt comme des instruments de la politique chinoise, abusant de leur responsabilité de fonctionnaires internationaux. Les arguments qu'il donne pour expliquer que ça peut poser problème, c'est d'un côté Interpol. Vous savez que le directeur d'Interpol, à un moment, a disparu. Et il a disparu. L'interprétation qu'on a, c'est qu'il n'était pas assez au service de la Chine. Il était trop Interpol. Et donc, il a été récupéré par son pays. Donc, autrement dit, quand le directeur ne fait pas le jeu de la Chine, il n'est plus directeur. Et puis, à l'inverse, l'UIT mènerait dans les structures stratégiques des télécommunications une politique calquée sur les intérêts chinois. Et ça, c'est ce que les services de renseignement des États-Unis auraient montré, dixit normal. Voilà. Donc, le problème, on peut le poser dans ces termes-là. Alors, je vais donner deux exemples maintenant. Si vous avez besoin de finir de noter, mais vous avez compris l'idée directrice. Donc, l'idée directrice, c'est que va faire la Chine de cette position. Je souligne que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que la Chine, on le verra tout à l'heure, en fait, bénéficie très largement des votes des pays d'Afrique au moment des désignations de ses directeurs à l'ONU. Donc, permet d'arriver très haut dans les compétitions pour ces nominations. Mais ce n'est pas automatique. Exemple, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est la dernière tentative en date, été 2020, mais qui a été un échec pour la Chine et un échec relativement cuisant. Madame Wang Binning était la vice-directrice générale de l'OMPI. Et elle était une des 7 candidates, et selon la Chine, c'était vraiment la meilleure de toutes les candidates, puisqu'elle faisait 30 ans qu'elle travaillait pour l'institution internationale, pour l'organisation internationale. Elle était en plus en charge des marques des dessins industriels, un des principaux départements de l'organisation. Il faut savoir que la Chine est le leader mondial des dépôts de brevets d'innovation depuis 9 ans. C'est-à-dire que c'est le numéro 1, non pas juste cette année, c'est depuis 9 ans. Et on est à plus d'un million de dépôts de brevets par an, et en ce moment, il y a plus d'un million d'innovations brevetées par an. Donc, c'est une énorme machine à déposer des brevets. La Chine a très bien compris ce système-là et joue le jeu très bien. C'est reconnu par tout le monde. Ensuite, elle est numéro 2 mondial pour les dépenses de R&D, avec des progrès, là encore, au niveau des dépenses qui sont colossaux. Cependant, nous redit Norman, le vol de la propriété intellectuelle étant une des causes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avoir un directeur chinois à l'OMPI, ça serait faire rentrer vraiment le loup dans la bergerie.
Et c'est comme ça que les Américains ont vu les choses. Il y a eu une campagne anti-proposition chinoise très, très, très forte par les États-Unis à partir des années, dans les mois qui ont précédé la nomination. Jusqu'à la fin de l'été 2020, le dirigeant de l'OMPI, c'était Francis Wiri d'Australie. L'excellente candidate de la Chine n'a pas été retenue. Et le directeur général aujourd'hui est Darren Tang de Singapour, que vous voyez ici sur la photo. Alors, je vais très vite là-dessus parce que simplement, Darren Tang était le directeur de l'office singapourien de la propriété intellectuelle. Et il était un administrateur de ces questions-là à très très haut niveau. Et il faut savoir qu'il avait mis en place entre Singapour et le Guangdong, et en particulier les grandes villes du Guangdong, un projet de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Knowledge City ou quelque chose comme ça, un projet de collaboration intellectuelle à très très haut niveau de sophistication. Autrement dit, ce Darren Tang, c'est quelqu'un qui a été mis au sommet de l'OMPI, mais qui en vérité est familier des acteurs de l'innovation et de la recherche et de la propriété intellectuelle en Chine, et qui a même engagé des liens à très très haut niveau avec le Guangdong. Et là, Darren Tang est déjà directeur de l'OMPI en novembre, et il ouvre la cérémonie Guangdong, Hong Kong, Macao, Intellectual Property Trade Expo. D'accord ? Donc en fait, et en vérité, derrière l'élection de la nomination de Darren Tang, on a un comité qui était dirigé par un diplomate français. Et vous pensez que le diplomate français a fait un choix, en vérité, qui ménage un peu tous les interlocuteurs, en ne prenant pas, en ne laissant pas arriver un directeur chinois, mais en mettant quelqu'un qui est très apprécié par la Chine. Donc ça, c'est pour l'échec de l'OMPI, mais néanmoins, un directeur qui va être, je connais très bien ses homologues chinois, et qui va être pas jugé comme étant contre ou opposé à la Chine. Enfin, la FAO, pour finir, hein, puisque c'est la dernière victoire en date, le directeur, pour la petite histoire, les Américains poussaient un candidat géorgien peu compétent, les Européens avaient une très bonne candidate, sauf que ça faisait quand même deux candidats côté occidental. La Chine, elle, a été très active et a même obtenu que le Cameroun retire son candidat. Selon Foreign Policy, il y a eu un échange d'annulation de dette. Et la Chine a eu tous les pays africains pour voter avec elle, pour M. Ku Dong-Yu, sachant que le Géorgien n'a recueilli que 12 votes. Donc là, c'est une opération très réussie pour la FAO, sauf que la Chine considère qu'elle a parfaitement vocation à diriger la FAO, dans la mesure où, un, son candidat est très bon et très, très expérimenté. C'est un ancien vice-ministre de l'agriculture et des affaires rurales. Et sa marque de fabrique, c'est d'associer les nouvelles technologies au développement agricole. Bon, pour certains, le but est d'avancer là. Pour certains, Pékin s'efforce de redéfinir le multilatéralisme selon ses conceptions propres. Et donc, on a vu, essayer de placer des pions dans cette direction-là pour y parvenir, avec l'idée de défendre la souveraineté absolue des États, réduire les discussions sur les droits de l'homme de manière générale, et lutter contre ce qui pourrait apparaître de l'ingérence extérieure. Néanmoins, ces positions n'étant pas alignées sur les positions notamment des États-Unis, on trouve des tensions au Conseil de sécurité. Pour d'autres, l'exceptionnalisme chinois, à la fois le poids de ses interventions, les intentions, les modalités d'action, doit être sérieusement relativisé. La Chine agit finalement comme les autres grandes puissances. Elle a un agenda de l'aide, on va le voir, déterminé, et de la participation aux grandes organisations internationales, déterminé par ses propres intérêts. Deuxièmement, une fois qu'elle est à la tête d'une grande organisation, elle se rend compte, comme tout le monde, que ces grandes organisations sont lourdes, peu promptes à évoluer. Donc, c'est là parce qu'on est à la tête d'une grande organisation internationale qu'on va pouvoir plier le monde à son image. Troisièmement, elle a des contraintes fortes, et notamment, c'est des organisations où l'intergouvernemental est très important. Et enfin, et pour finir, depuis qu'elle est au poste, par exemple, à la FAO, la crise du Covid est arrivée. Et en gros, la FAO, aujourd'hui, c'est que des personnes qui sont à distance des opposants. Et voilà. Comment juger? Donc, il y a un grand débat, vous voyez bien, il y a des grandes positions, il y en a un peu plus que ça, mais comment juger?
Soit par, on peut le juger par l'analyse des pratiques. Exemple, on étudie que fait la Chine dans la FAO. Et là, on a un très, très bon travail mené par Jean-Jacques Gabas, qui est un grand chercheur français, analyste du développement africain et des politiques de développement, la coopération au développement, qui vient de faire un séminaire il y a une semaine, auquel je conseille d'aller voir, qui est vraiment très très bon, sur comment fait la, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la FAO depuis 2019. Ça, c'est une question. On peut mieux répondre à des grandes idées en regardant ce qui se passe. Ou bien, et là, c'est ce que j'ai proposé ici, estimation comparée de l'ampleur de l'implication dans le multilatéralisme, est-ce qu'on peut partir à la recherche d'une mesure juste du phénomène? Et ça, ça va être le travail de l'économiste. Alors, on est parti. Si vous m'avez suivi, vous comprenez qu'ici, je vous emmène dans une tentative de mesure de la contribution chinoise aux organisations internationales en utilisant le prisme de l'aide. Alors, l'aide chinoise. Parlons-en. L'aide chinoise, on a des problèmes de données. Beaucoup ont dit, ah oui, problème de données, c'est parce que la Chine cherche à garder le secret sur son aide. En réalité, quand on rentre dans le détail, on se comprend que c'est surtout qu'il n'y a pas de mesure homogène de l'aide, il n'y a pas une institution en charge de l'aide. Donc, en réalité, cette absence de données bien rassemblées et bien et facilement communicables résulte de la façon même dont la Chine organise son aide. Néanmoins, on peut quand même trouver beaucoup de choses. En tout cas, on peut s'y employer. Travaux de mesure, et puis ensuite l'architecture de la mise en œuvre. Vous comprendrez mieux pourquoi c'est difficile d'avoir une mesure simple, quand vous verrez comme l'architecture de l'aide est complètement éclatée en Chine. Et enfin, voilà, ça c'est ma partie. Donc l'aide étrangère chinoise, l'aide au développement faite par la Chine. On doit quand même commencer en rappelant que la Chine a été jusqu'à très récemment un très grand pays très pauvre qui a reçu beaucoup d'aide au développement elle-même dans son histoire. Mais même quand le pays était très pauvre, elle a eu une histoire de l'aide au sens où elle s'est engagée dans l'aide au développement. Et au début, dans les années 50 à 76, c'était du soutien aux pays alliés. Notamment, par exemple, en Asie du Sud-Est, soutien au Cambodge. On a ensuite, de 1978 à 2013, une période qui est marquée plutôt par la politique d'aide de la Chine, c'est le soutien au développement économique des pays tiers. La Chine, décollant économiquement, s'est mise à aider à son tour des pays, à son niveau, des pays autour d'elle. Depuis 2014, on assiste à une orientation stratégique qui vise clairement à renforcer la position de la Chine dans l'économie mondiale, compte tenu de sa nouvelle géographie économique et commerciale. Autrement dit, à partir de 2014, l'aide vient vraiment au service de la position économique de la Chine dans le monde. Et on va voir que l'aide est très liée aux projets commerciaux, par exemple, aux projets d'investissement chinois. L'aide vient un peu préparer le terrain, l'aide vient faciliter des négociations, l'aide vient favoriser les investissements chinois. Mais peut-être que, et ça c'est, on est dans les hypothèses, on a l'impression, certains auteurs pensent que depuis 2018-2019, l'aide arrive dans un nouveau stade. En 2021, le sommet de l'État chinois a décidé que l'aide entrait dans une nouvelle ère, et il semblerait que cette ère soit un peu plus politique. Alors, on va commencer par caractériser l'aide chinoise. D'abord, d'abord, la Chine, dans l'aide, effectivement, revendique une certaine originalité, une certaine position de marge et un peu d'outsider. L'aide publique au développement est définie de manière canonique par l'OCDE, qui, donc l'ensemble des pays les plus riches de la Terre, qui s'appelle l'OCDE, qui a créé un comité de l'aide au développement, le CAD, et a fixé les règles de qu'est-ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Ce qu'on appelle l'aide publique au développement, en gros, il y a trois critères. Un, il faut que ce soit des fonds émanant des gouvernements ou des agences de l'État ou des collectivités locales. Donc, c'est l'aide, elle doit être publique. Elle doit être le fait d'acteurs publics. Si moi, je donne à Handicap International, ce n'est pas de l'aide publique au développement, parce qu'Handicap International est une ONG. Donc, l'aide publique au développement, c'est de l'aide qui vient de l'État ou des collectivités locales pour un objectif de développement. Donc, ça ne peut pas être, par exemple, pour aider à faire une guerre, ce soit du développement.
Et ça comprend des dons en nature ou en espèces, des prêts avec à taux zéro ou des prêts avec un élément de don, c'est-à-dire des prêts avec un taux qui est en dessous du taux du marché, comme un cadeau sur le plan du prêt. L'aide chinoise, elle, va établir ses critères de ce qu'elle appelle aide différemment, puisque la Chine n'est pas membre du CAD. Autrement dit, ne tient pas une comptabilité de son aide comme tous les pays donateurs dans le monde. L'essentiel qu'il faut retenir sur aussi l'aide chinoise, c'est que c'est un pays en développement elle-même, alors que les pays de l'OCDE ne sont pas des pays en développement, c'est des pays industrialisés depuis longtemps. C'est un grand pays en développement, elle le rappelle, le plus grand des pays en développement, qui produit désormais de l'aide au développement aux autres pays du Sud. Et donc, ces grands principes, c'est on est dans de la coopération Sud-Sud, puisque la Chine elle-même est un pays du Sud, au sens pays en développement, non-ingérence, et en ça, la Chine se distingue du protocole de l'aide de l'OCDE, défini par les Européens, les Américains, qui soulignent le fait que l'aide doit être très transparente et que les pays doivent faire preuve de certaines qualités dans leur mise en œuvre de l'aide et dans leur gouvernement, dans leur gouvernance. La Chine se met en dehors de toutes ces règles-là. Et enfin, stratégie win-win, la Chine annonce la couleur, le pays va gagner à avoir cette aide et la Chine va gagner à faire cette aide. Donc on est dans quelque chose d'équilibré avec la fameuse stratégie win-win. Les trois types de sources financières pour l'aide de la Chine, c'est les subventions et les prêts concessionnels du gouvernement chinois. Simplement, et dans le détail, il y a des éléments de prêts concessionnels qui ne sont pas reconnus par le CAD, mais que la Chine reconnaît comme de l'aide, et vice-versa. Enfin, les subventions et les prêts sont pour l'essentiel gérés par le ministère du Commerce, le MOFCOM. Alors, la référence pour cette présentation, elle vient de sortir décembre 2020, et c'est Kitano, un très grand spécialiste japonais de l'aide chinoise, qui nous permet d'aller plus loin que là où on était il y a quelques mois. Voilà le gros de ce qu'on peut savoir aujourd'hui de l'aide grâce à Kitano. Alors ça, c'est l'aide mesurée par la Chine. L'aide se mesure, on distingue toujours l'aide multilatérale de l'aide bilatérale. Multilatérale, ça veut dire pour des organisations qui elles-mêmes vont répondre à l'aide. Et c'est là qu'on a nos organisations internationales. Est-ce que vous les voyez? Et puis à côté, on a l'aide plus classique, l'aide de pays à pays, et l'aide qui, très clairement, vient soutenir votre politique étrangère. Et là, on a l'aide bilatérale avec la partie crédit, bilatérale et la partie don, et bilatérale, ça c'est une mesure ici, mais ça c'est les intérêts à taux zéro et les prêts à taux zéro et les dons. Qu'est-ce que vous voyez? L'aide chinoise commence, on considère qu'on a commencé à la mesurer à partir de 2000. Depuis 2000, l'aide chinoise a progressé. Première chose, augmentation de l'aide chinoise très importante depuis au cours des 20 dernières années. Au sein de cette aide, la dimension don a commencé par être majeure et puis au bout d'un moment, on a la dimension prêt qui est plus forte. Et enfin, l'aide multilatérale apparaît comme un peu substantielle à partir de la décennie 2010. Et elle augmente très fortement entre 2014 et 2015. Et ensuite, elle se stabilise à un niveau élevé qui correspond à peu près à un quart de l'aide internationale chinoise. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'aide multilatérale aux organisations internationales, c'est de l'aide, c'est un quart à peu près de l'aide chinoise. Pour le reste, on a du prêt et du don. Le prêt étant en train de reculer au profit du don. Alors ça, c'est tous les calculs qu'on peut faire en ce moment sur ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on fait, comme on arrive à faire des calculs plus précis, qu'on arrive à comparer l'aide chinoise, aujourd'hui, l'aide, ça c'est la Chine, par rapport aux autres donateurs au niveau international. La Chine a progressé, mais c'est un donateur relativement moyen. Par rapport aux pays riches qui font de l'aide dans le monde, la Chine est numéro 7 si on compte ses calculs. Elle est numéro 9 si on fait le dernier calcul que propose l'OCDE pour harmoniser tous les pays. D'accord, donc l'essor de l'aide chinoise est évident, mais ça n'en fait pas un donateur exceptionnel du point de vue des montants versés. Maintenant, la mise en œuvre de l'aide, c'est là où je veux en finir. La structure de l'aide est complexe.
On a ici le ministère du Commerce, qui, vous le voyez, c'est celui qui fait le gros de l'aide bilatérale. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait des investissements directs étrangers. Donc, c'est le même ministère qui gère les investissements directs étrangers et qui gère l'aide internationale. Et bien, en fait, les deux vont être très liés sur le terrain dans les projets. Ensuite, le ministère des Foreign Affairs, donc là, c'est plutôt l'aspect diplomatique pur qui est là. Et enfin, on a tous les autres ministères qui jouent, et là, au-dessus de tout le State Council. Les institutions multilatérales, elles apparaissent ici, elles sont vraiment à la périphérie de ce gros système. Et je finis avec ça. On a ici les institutions, les organisations internationales, et ici le ministère chinois qui s'en occupe. Non, parce qu'en fait, les ministres. Donc, est-ce qu'on a une grosse stratégie d'aide complètement unie? Non, on a plein de directions, plein de. Et des ministères qui gèrent des organisations internationales. Le ministère des Finances, il gère le groupe World Bank, l'Asian Bank of Development et l'AIIB. Vous connaissez l'AIIB? C'est la fameuse banque des infrastructures, la banque d'investissement dans les infrastructures qui a été développée pour soutenir BRI. Lorsque la Chine a mis en place BRI, évidemment, elle a rajouté une banque internationale pour financer BRI. Voilà où est l'AIIB. Eh bien, on considère que le saut ici, entre 2014 et 2015, c'est l'argent que la Chine a mis dans le capital de l'AIIB pour faire la BRI, la Belt and Road Initiative. Donc ça, c'est le progrès de l'AIIB. Ensuite, le MOFCOM, il s'occupe du PNUD, de l'UNICEF, de l'UNIDO, là où elle dirige aujourd'hui. Le MOFA, c'est le ministère des Foreign Affairs, c'est le UNHCR, le Peacekeeping Operation et l'Institution de l'immigration. Mais on a aussi la Bank of China, qui donc ça c'est la banque centrale, et que gère la Bank of China? Elle gère les banques, elle est en lien avec l'institution multilatérale, l'organisation internationale, africaine, interaméricaine et caribéenne de l'ONU. Et puis la banque pour la construction de l'Europe. La Chine finance son aide aux pays de l'Est avec ça. Son aide aux Balkans, c'est avec ça qu'elle le finance. Le ministère des Affaires des Agricultures a pris en charge la FAO et on a ici Information et Technologie et OMPI. Vous voyez l'architecture de l'aide. Et voilà, ça c'est les comptes. Enfin, un nouvel acteur dans tout ça qui est venu pour mettre de l'ordre, c'est la China International Development Cooperation Agency. Le site de 2021, donc on voit le président et sa femme avec le roi du Cambodge et sa mère, et on observe que l'aide au développement est devenue grande priorité pour le gouvernement chinois aujourd'hui, avec cette agence pour essayer de rassembler tout le caractère quand même assez centripète de l'administration de l'aide par la Chine. J'ai fini, j'ai été longue, je prie les organisateurs de m'en excuser, et on va laisser la place à la discussion. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez cesser le partage d'écran, comme ça je vais pouvoir épingler aussi la vidéo de Monsieur Collin, et on va pouvoir proposer aux étudiants qui sont ici, ainsi que les élèves qui sont dans l'amphi de l'école navale, de éventuellement vous poser quelques questions. Donc je vais... Peut-être on peut commencer, comme vous êtes ici, par recueillir vos premières questions, réactions, sur quoi vous aimeriez faire réagir. Oui, s'il vous plaît. Une question pour M. Collin. En 2012, la Chine fait du développement de sa puissance maritime une priorité nationale. Nous avons vu sur la carte au début de notre présentation que l'accès à des mers ouvertes est difficile du fait de la configuration géographique de cette région. Il apparaît par ailleurs que la Chine est un grand pays continental. Ma question est donc la suivante. Est-ce que le développement très poussé de la puissance maritime chinoise ne crée pas un déséquilibre entre les régions côtières et continentales? D'accord. Bien, on répond aux questions l'une après l'autre ou on prend plusieurs questions? Peu importe. Ah, vous pouvez y aller. On va commencer comme ça. D'accord. Donc, je réponds tout de suite alors. D'accord. Il n'y a pas vraiment de... Alors, dans quelle mesure, effectivement, le fait que la Chine cherche à devenir une grande puissance maritime influe sur des éventuelles différences entre les régions côtières et l'intérieur?
Il est évident que la volonté des autorités chinoises, notamment de développer le secteur de l'économie maritime, dont j'ai parlé tout à l'heure, avantage très fortement les provinces côtières. Tout du moins, les provinces côtières ont, depuis maintenant presque une dizaine d'années, intégré cet objectif de développement de l'économie maritime dans leur stratégie de développement provincial. Et on a des provinces comme le Guangdong, par exemple, ou le Shandong, le Fujian, le Zhejiang, qui sont très dynamiques dans ces différents secteurs. Et bien sûr, ce sont dans ces provinces que sont localisées les grandes entreprises de pêche, les grandes entreprises devant gérer, exploiter les ressources minérales. Et donc, de fait, vous avez des provinces de l'intérieur et continentales qui ne peuvent pas participer, bien évidemment, assez dynamiques, mais qui sont également au centre d'autres politiques d'aménagement du territoire pour éviter effectivement que les disparités ne soient trop importantes. La réduction des inégalités provinciales et entre régions est un problème que les autorités chinoises essayent de gérer depuis au moins le début des années 2000, même si les provinces côtières restent bien évidemment les espaces encore les plus développés sur le plan industriel et économique du pays. Merci beaucoup, Monsieur Collin. Je ne sais pas s'il y a une autre question dans la salle, parce que je crois que vos camarades à l'école navale ont beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une? Je vais leur donner la parole et puis on reviendra à vous. Vous en aviez une? Vous voulez poser? Non, mais c'est à vous. C'est à vous, l'école navale. Oui, oui, oui. On se met en place. Vous nous entendez? C'est bon? Très bien. OK. Alors. Oui. Bonjour à tous. Monsieur Collin a évoqué la volonté de la Chine de prétendre à la course de l'Arctique. L'OTAN participe à des exercices militaires dans cette zone, avec l'Islande notamment. Pensez-vous que les rapprochements entre la Chine et l'Islande peuvent nous mener à des tensions militaires entre la Chine et l'OTAN dans la zone arctique? Alors, mener à des tensions militaires, je ne sais pas. Généralement, j'évite de m'exprimer sur ce genre de questions. En tout cas, c'est un fait que effectivement le rapprochement avec l'Islande est motivé de ce point de vue-là, et que la marine chinoise cherche maintenant à se projeter dans des théâtres encore plus éloignés, après l'océan Indien, le Pacifique Sud ou le détroit de Bering ou la Méditerranée, où effectivement un navire chinois s'était rendu au moment des crises du printemps arabe. Il y a une volonté de la Chine de se positionner dans ces espaces. Maintenant, dans quelle mesure cela peut engendrer des tensions avec l'OTAN? Il y aura de toute façon des surveillances croisées, on peut l'imaginer. Le contexte diplomatique et politique actuel très tendu entre la Chine et l'Union européenne d'un côté et entre la Chine et les États-Unis également font que, effectivement, toutes ces évolutions sur le plan militaire concernant la Chine vont faire l'objet de surveillance accrue. Maintenant, tout dépendra bien sûr comment les acteurs se comporteront sur les mers, si je puis dire. Et si on prend la mer de Chine du Sud comme étude de cas, où c'est dans cette zone que la marine chinoise est aujourd'hui la plus présente, et c'est dans cette zone aussi qu'elle est la plus agressive, entre guillemets, dans la mesure où elle met en évidence son désir d'écarter éventuellement les passages de certains navires. Et donc, on a eu des tensions avec les États-Unis et la France également ces dernières années du fait donc de ces agissements de la Chine en mer de Chine du Sud. Est-ce qu'elle est supposée faire de même dans des espaces maritimes éloignés? En mer de Chine du Sud, vous avez les enjeux de souveraineté qui la rendent effectivement très ferme sur certaines positions. Dans des espaces maritimes aussi éloignés, reste à voir. Je crois que son objectif pour l'heure est justement de mettre en évidence son passage et sa transformation en grande puissance maritime,
et pas forcément aboutir à des comportements provocateurs, mais encore une fois, là, c'est d'autres observateurs un peu plus spécialisés sur ces questions militaires proprement dit qui, sans doute, pourraient avoir un autre jugement que le mien. J'invite l'école navale à poser sa question, la question suivante, si vous voulez. Oui, on est prêt, merci. On allait remercier M. Collin. On a une autre question, du coup. Oh. Oui, bonjour, aspirant Guyot. C'est une question pour vous, Madame Laffey de Michaud. Dans la mesure où, pendant des années, les États-Unis ont fait venir des scientifiques chinois dans la Silicon Valley, quelle est la part de véracité concernant le vol de propriété intellectuelle et la part d'instrumentalisation dans le cadre de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Alors, merci beaucoup de soulever ce point. Alors, je ne suis pas du tout en mesure de rentrer dans les détails. En revanche, quand je vous parlais de vol, etc., c'était un point de vue américain sur les pratiques chinoises. La Chine dit elle-même, on a beaucoup de chemin encore à faire sur le plan de... on a encore beaucoup de chemin à faire, comment elle dit ça ? Ce n'est un secret pour personne que la Chine a encore un long chemin à parcourir en termes de gouvernance de la propriété intellectuelle. Mais les réalisations de la Chine en matière de protection de la propriété intellectuelle et les énormes contributions qu'elle a apportées à la gouvernance mondiale de la propriété intellectuelle ne sauraient être en aucun cas déniées par un petit nombre de politiciens américains. Il nous dit, les réalisations économiques, scientifiques, technologiques de la Chine ne sont pas le fruit de vols ou de pillages. Le peuple chinois a accompli de telles réalisations grâce à son talent et son travail acharné. Voilà, donc moi je ne vais pas me mettre à vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, je vous dis les prises de position. En attendant, je pense que comme vous le dites, les États-Unis sont un petit peu rapides à parler de vol et à généraliser l'idée de viol. Bon, c'est bien qu'il y a eu de l'espionnage industriel, etc., évidemment, mais en la matière, la Chine a fait des progrès énormes et très très grand nombre de cas, elle suit les règles du jeu international dans le domaine. C'est ça qu'elle veut faire reconnaître. Donc, vous avez raison, il y a un côté instrumentalisation du point de vue des États-Unis. C'est... Merci beaucoup. Est-ce qu'on poursuit ? C'est à vous. Ok, c'est à nous, toujours. Bonjour Monsieur Collin, j'ai une question pour vous. Vous nous avez parlé tout à l'heure donc, de l'organisation administrative de la marine chinoise. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, le rôle des milices paramilitaires pour défendre les intérêts de la Chine, s'il vous plaît? Alors, les milices paramilitaires, oui, alors, dans le domaine maritime, en fait, il s'agit essentiellement de la fameuse milice des pêches, qui est souvent effectivement mise en avant et pointée du doigt aussi par les États du Sud-Est asiatique comme participant très activement à la défense des intérêts de souveraineté en mer de Chine méridionale. Donc on a des milices qui sont sous autorité de l'Armée populaire de libération, mais également du ministère de la Sécurité, d'où le nom de milice paramilitaire. Et dans le cadre de la milice des pêches, donc ce sont généralement effectivement des pêcheurs initialement qui peuvent être mobilisés pour des actions spécifiques. Et donc c'est quelque chose d'assez spécifique effectivement à l'organisation de l'armée chinoise, hein, d'avoir ces milices paramilitaires qui sont mobilisables. Et donc, dans le champ maritime, vous en avez un certain nombre qui sont justement localisés dans les provinces côtières. On a des contingents sur l'île de Hainan, notamment au sud du pays. Et l'île de Hainan a en charge l'administration de la mer de Chine du Sud, et ces milices paramilitaires des pêches qui y sont présentes
sont assez actives hein, en mer de Chine du Sud et donc participent assez souvent à des accrochages aux côtés de la garde côtière chinoise et parfois même aux côtés des bâtiments militaires chinois lorsqu'ils sont en action contre des navires de pêche philippins, vietnamiens ou autres qui s'aventureraient dans les eaux revendiquées. Merci beaucoup, Monsieur Collin. Nous avons une question ici dans les locaux de l'ANSTA Bretagne. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Si vous... Oui, la question s'adresse à tous les deux. Ah, une question pour les deux. Oui, donc bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ma question concerne, enfin, j'aimerais bien avoir votre avis sur. Attends. On parle plus fort. Ma question s'adresse à vous deux, donc, pour votre avis, votre ressenti sur la coopération européenne. Que ce soit en matière de défense européenne ou en matière de coopération économique, puisque, enfin, du point de vue pour la lutte contre l'influence chinoise, cette coopération est souvent présentée comme nécessaire pour avoir un vrai poids entre ces deux monstres que sont les États-Unis et la Chine. Or, vous nous avez montré que la Chine arrivait parfaitement à s'immiscer dans les grandes instances internationales, soit par des jeux d'alliance ou en arrivant à tirer son épingle du jeu. Pensez-vous donc que cette réponse soit adaptée pour lutter contre l'influence chinoise ? Oui. Alors, j'ai pas bien entendu le début de la question, en fait. Excusez-moi. Ma question, c'est portée sur la coopération européenne. Oui. Sur la coopération soit souvent présentée comme nécessaire pour lutter contre l'influence chinoise. D'accord. Notamment en matière de défense. Et, d'accord. La question était pour votre avis, pour savoir si, d'après vous, c'était la réponse la plus efficace pour lutter contre l'influence, sachant que vous nous avez montré que la Chine arrivait très bien à s'immiscer dans les grandes instances internationales et un petit peu à la diriger suivant ses politiques personnelles. Elsa, tu veux y aller ou je commence ? Parce qu'en fait, pour moi, il y a un problème. Coopération européenne, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire... Ce qu'on appelle la coopération en économie de développement, c'est l'aide au développement. Donc, est-ce que vous parlez de la coopération ? Sachant que l'Europe est le plus grand bailleur d'aide au développement dans le monde. Donc, ça pourrait être ça, votre question. Est-ce que ce que fait l'Europe en matière d'aide au développement est suffisant pour faire le pendant de l'offensive aujourd'hui chinoise sur ce plan-là ? Ça peut être ça, votre question. Mais j'ai l'impression que c'est en fait une autre question que vous posez, c'est est-ce que les Européens ne pourraient pas coopérer un peu plus entre eux ? Non, c'est pas ça. C'est vraiment sur l'aide européenne. Oui, c'est... Ok, très bien. Vas-y, maintenant j'ai compris la question. Vas-y, Sébastien. Oui, non, mais en fait, il y a deux choses, je crois, à prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que il peut y avoir la nécessité d'une coopération économique beaucoup plus forte, une coopération européenne beaucoup plus forte, pour essayer effectivement d'aller. À l'encontre ou tout du moins de cohabiter avec l'expansion de l'influence chinoise. Et donc, on le voit très bien dans la politique de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne. Elle est clairement d'essayer de diviser les acteurs européens et notamment de jouer la carte des pays d'Europe centrale et orientale, notamment dans le cadre de la politique des nouvelles routes de la soie. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une nécessité que les pays européens coopèrent plus, à la fois sur les plans économiques ou sur les plans militaires et de sécurité, pour faire face effectivement à ce gain d'influence chinoise dans une partie de l'Europe. Dans le même temps, la Chine a sa stratégie qui est celle de s'insérer dans les instances internationales que Elsa a bien montré, qui lui a permis effectivement depuis 2019 d'être à la tête de quatre grandes organisations au sein de l'Organisation des Nations Unies. Mais ça, justement, c'est une stratégie de la Chine qui vise à se poser en concurrent de l'Union européenne et des États-Unis en s'appuyant sur les pays en voie de développement. Donc, c'est deux choses un peu différentes parce que la coopération entre les pays européens
elle est bien évidemment nécessaire pour faire face aux défis chinois dans tous les domaines. Et dans le même temps, la Chine, qui a cette volonté de devenir le leader mondial, la première puissance mondiale, identifier les États-Unis et l'Union européenne comme des concurrents sur le plan politique. L'Union européenne a été longtemps un acteur qui était perçu comme pouvant être un contrepoids aux États-Unis, et la Chine a fortement approfondi ses relations avec l'Union européenne dans ce sens sur le plan politique, sur le plan économique aussi, parce que l'Union européenne est le premier marché quand même pour les productions chinoises. Et puis là, depuis notamment la pandémie de Covid-19, les relations se sont quand même un petit peu tendues et effritées entre la Chine et l'Union européenne. Et donc, c'est là où, effectivement, les coopérations sont nécessaires. Et donc, la Chine a cette volonté. Vous savez, elle défend la vision d'un monde post-occidental. C'est clairement dans les discours au sein de la diplomatie chinoise, dans les textes du Parti communiste chinois, c'est la défense d'une vision post-occidentale du monde. Donc, la Chine doit être capable de proposer l'après monde occidental, qui pour elle est un monde qui, quoi qu'il en soit, est en déclin et n'est plus capable de gérer les grandes crises mondiales. Et de ce point de vue-là, la gestion de l'épidémie de Covid-19 a un peu mis de l'eau au moulin, si vous voulez, du discours chinois. Et donc, cette stratégie au sein des organisations internationales, elle va de son sens. Et c'est là où les pays en voie de développement, notamment les pays africains et les pays d'Amérique latine et voire même les pays du Pacifique, sont des cibles très importantes pour les autorités chinoises, puisque c'est sur la base du soutien de ces pays-là, comme l'a expliqué Elsa Lafaille de Michaud dans sa présentation, et par leur vote, que la Chine arrive à positionner ses représentants au sein de ses instances. Donc, ce n'est pas seulement une coopération plus forte entre les pays européens qui doivent être mobilisés pour faire face à cette émergence de la Chine, à cette volonté de leadership de la Chine, c'est beaucoup plus une mobilisation plus forte de l'Europe vis-à-vis des pays en voie de développement et notamment des pays africains pour justement essayer de rééquilibrer un peu les rapports de force. Et c'est ça qui est assez important. Et les pays africains dans leur discours, alors quand je dis les pays africains, ce sont les gouvernements, les présidents, les représentants politiques africains, qui assez souvent présentent la Chine comme étant une alternative très importante pour eux et mettent en évidence le fait que justement l'Union européenne et la France en particulier pour un certain nombre de pays africains qui ciblent la France dans leur discours, disant qu'ils ne s'intéressaient plus au continent africain et que la Chine était devenue justement là cette belle alternative et qui en plus a des avantages parce qu'elle a des moyens financiers et elle ne s'immisce pas entre guillemets dans les affaires politiques des pays. En tout cas, elle ne défend pas l'idée de démocratisation des régimes, quand bien même elle arrive à avoir des influences sur le plan politique, mais effectivement pas forcément dans une volonté de démocratisation ou de libéralisation des systèmes politiques. Et c'est là, bien évidemment, le principal enjeu de ces diverses relations. Compléter, elle s'engage pas. L'Europe s'est beaucoup présentée comme une puissance normative, autrement dit une grande puissance économique qui a amené par l'exemple un modèle d'état de droit et de d'exemplarité d'un fonctionnement démocratique en termes de prospérité et justement dans l'aide au développement. L'aide européenne est extrêmement rigoureuse et extrêmement transparente et elle met des normes de gouvernance fantastiquement difficiles auxquelles il faut répondre en étant parfaitement intègre. Et cette aide-là a été au bout d'un moment doublée par des projets chinois qui ne n'imposaient pas qu'il n'y ait pas de corruption, n'imposaient pas que l'État ait fait ses preuves sur le plan des droits de l'homme, etc. Et donc, la Chine a ouvert un canal d'échange et avec l'aide sont arrivés les projets économiques chinois également. À une époque, dans les années 2010,
notamment, où l'Europe était exempte. L'Europe sortait de la crise de 2008, qui est devenue une crise de la monnaie européenne, une crise de la dette de toute l'Europe. Et donc, la Chine, alors même que les intérêts européens en Afrique sont par rapport très élevés, et l'aide européenne est très, très massive, les projets, et notamment les projets qui engageaient les chefs d'État et qui étaient valorisants pour eux, c'était la Chine qui les apportait. Et ça, c'est vraiment, selon Thierry Perrault, celui qui organise le séminaire Présence chinoise dont je vous ai parlé quand je vous ai dit que Jean-Jacques Gabas avait fait une présentation vraiment remarquable sur la FAO récemment. Thierry Perrault, qui est un des chercheurs français sur l'aide en Afrique les plus pointus en France en ce moment, dit que, selon lui, l'aide de la Chine en Afrique, c'était dans une stratégie politique. Et les investissements de la Chine en Afrique, c'est d'abord des investissements politiques qui ont donc démarré à partir des années 2000, même un peu avant, pour se construire des alliés diplomatiques. Alors, et donc, on peut considérer que les votes actuellement qui permettent à la Chine d'arriver à la tête de certaines organisations internationales sont le résultat, le fruit pour la Chine de la réussite de cette stratégie. Alors, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je vous disais que sur l'Asie du Sud-Est, il y a un front nouveau de recherche qui s'ouvre, c'est qu'en Asie du Sud-Est, la Chine, effectivement, joue une carte diplomatique, hein, se construit des alliés à travers l'aide et l'investissement, mais aussi joue une carte qui est vraiment une carte économique, une carte de développement, une carte de désenclavement des provinces du Sud, une carte d'accès au marché, etc. Et continue à construire à travers le territoire sud-est asiatique. Donc, en fait, cette aide chinoise à l'étranger, il faut quand même toujours essayer de la voir. Voilà, elle est complexe de par sa structure, mais elle est aussi très complexe dans ses ambitions. Et on a sans doute des moments qui ont alterné. Et puis, des intentions qui ne sont pas exactement les mêmes, des intentions dominantes qui ne sont pas les mêmes, selon qu'on parle de l'Afrique entre les années, fin des années 90 et 2015, et puis l'Asie qui arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gros volume de l'aide, si on mélange tout, aide, investissement officiel lié à l'État chinois, aujourd'hui, c'est plutôt même l'Asie du Sud, c'est-à-dire un Pakistan, qui concentre le gros des efforts de la Chine. Et... Je vous remercie beaucoup, Elsa Lafaye de Michaud. Juste avant qu'on prenne la pause dans deux minutes, un petit peu moins maintenant, est-ce que vous auriez quelques éléments de réponse pour cette question qu'on a retrouvée sur le live chat de la chaîne YouTube des Géopolitiques de Brest? Donc, Xavier nous pose la question suivante. Avec les ambitions chinoises au-delà du deuxième collier de perles, comment voyez-vous le rôle stratégique de Nouméa? Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous voudra répondre à cette question. En très peu de mots, puisque nous sommes à une minute de la pause. Bah, le rôle stratégique de Nouméa est essentiel, à mon sens, puisque la projection de la Chine dans le Pacifique Sud, il est à la fois politique, militaire et économique, mais la marine chinoise, bien évidemment, a aussi une volonté de se projeter dans cet espace. Elle y a déjà mené un certain nombre d'exercices, et les autorités chinoises ont très fortement développé depuis 2008, notamment la fin des années 2000, leurs relations politiques et économiques avec toute une série d'États insulaires du Pacifique Sud, hein, comme Vanuatu, les Fidji, Kiribati, etc. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, les positions françaises dans la zone sont éminemment importantes. Le problème, c'est que il se dit qu'elle mériterait sans doute d'être renforcée pour répondre à cet enjeu, d'où l'importance, bien évidemment, pour les autorités françaises de leur coopération avec l'Australie, qui reste la puissance régionale, si je puis dire, de premier front dans cette logique un peu de rapport de force ou d'équilibre des puissances avec la Chine. Mais c'est incontestable qu'à l'avenir, si on parie sur une accélération de la modernisation militaire de la Chine, sur une projection de plus en plus forte de la marine chinoise dans les grands espaces océaniques de la planète, les positions françaises dans différents espaces demeurent éminemment stratégiques. Bon, merci infiniment, Sébastien Collin. Merci à vous. Merci à Elsa Lafaye de Michaud qui va rester avec nous pour animer la deuxième partie aussi de la rencontre. Nous allons faire une pause d'une dizaine de minutes
En tout cas dans la diffusion. Donc voilà, je laisse mes collègues qui sont à la régie arrêter la diffusion sur YouTube. Bien évidemment, la discussion peut se prolonger pour ceux qui n'ont pas besoin de faire un court passage aux toilettes pendant la pause. Donc je vous invite à rester là. Je vais aussi accueillir les personnes. Enfin, peut-être Isabelle, tu vas le faire, accueillir les personnes.
Moritz Rudolph est chercheur associé de la division Asie de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, où il étudie les implications de l'essor de la République populaire de Chine pour l'ordre juridique international. En 2020, il a terminé le deuxième examen d'État allemand en droit, ainsi que son doctorat en droit international intitulé « Belt and Road Initiative, aspects juridiques, politiques, historiques et internationaux ». Il était auparavant membre du Mercator Institute for China Studies, se concentrant sur la politique juridique de la Chine, les initiatives géopolitiques et les relations étrangères. Il a étudié le droit, le mandarin et l'économie à l'Université de Heidelberg, à l'Université Humboldt de Berlin, à l'Université Tsinghua et à l'Université des langues et de la culture de Beijing. Hello, good afternoon from Berlin. My name is Moritz Rudolph, and it's my great pleasure to address you this afternoon and talk about a little bit more on Chinese foreign policy. When I was asked to have a presentation here today, it was a publication from 2014, which I co-wrote with Professor Sebastian Hallmann and Miko Hotari on China's foreign shadow foreign policy. I was really happy about that because this has been one issue that has been almost 6 years ago now, but it's still quite relevant today and one of those issues that I'll be looking forward to discussing with you as well later. But so just as a quick summary of that, so in this paper, we were arguing that China is staying within the established framework of the international order. But in addition to that, it is in areas where it is unable to expand its own influence. It is within the existing structures. It aims to establish parallel structures, and by doing this, to shape the international order. So now we are in the year of 2021, and the world has changed. The whole Trump presidency has been in between that, but there are still some similarities in China's approach, which I will try to elaborate on within the next couple of minutes. So China's approach when it comes to international organizations is a really it's a multi-level approach, not only dealing with international organizations. So China engages in multilateral through multilateral channels, bilaterally, regionally, globally, and regionally, and bilaterally at the same point in time. So it's and by doing that, it utilizes on the one side established structures, but also builds its own parallel ones. So I'll go through them one by one. So the first one is, as was also discussed in this old paper, that China has been engaging in getting more influence within established international organizations with the United Nations at its heart. So officially speaking, Beijing always makes this argument that it is, that it wants to reform the international rules-based order, but with the UN at its center and following core rules of the United Nations. And when presenting this argument, it is often also said that the United Nations as an organization is still the core, but the rules that surround that are to a large extent were a reflection of the power distributions, how they were right after World War II. So with this changing of circumstances and with an increasing power of China, reform of the UN system from within is described as necessary. And we see this in several regards. So for instance, you can actually see that when you are at the United Nations in New York, for instance, where I did some research over the last summer for a couple of months, you can just see that if there is any kind of discussion within the Sixth Committee or the Fifth Committee, there will be maybe two representatives from India, two from France, two from Germany, but from the Chinese side, there'll be 10. And seven of them will be writing, and they are way more
well prepared when they deliver their presentations than as there's a famous book by Samuel Kim who describes China's engagement within the United Nations. He describes China being just like an eager student. But since more or less 2014, this has changed, and China is now a vocal and active participant within the United Nations discussions. You also see this within the International Law Commission, where Chinese contributions have become more nuanced, and to, some would say where the Chinese view and the view of the Communist Party can be heard more loud than in the past. Another example is just the numbers. When you look at the funding, like the share of China's funding at the UN system has increased significantly over the past couple of years. And we also see this when it comes to strategic positions. So in France, of course, you're aware of the elections of the General Secretary of the Director General of the FAO, where the French candidate lost against the Chinese candidate. But there are other examples where, for instance, in the ITU or in ICAO, those are UN specialist agencies that are headed by Chinese persons. So China is actually the country that heads most UN agencies in the world. And this is a rather recent phenomena. In addition to that, you can also see this, how China has become utilizing UN structures to introduce terms to become an agenda setter. Most best it can be seen when we just like, look at the MOUs that UN agencies have signed with China on Belt and Road Cooperation, and where China was successful in introducing terms, for instance, within the UNDP of having the community of common destiny and put onto the agenda, which is a term from the Chinese Communist Party, of course, and setting the Belt and Road Initiative also and connecting it with various UN agencies was another example where you can see that China is becoming more powerful within the United Nations. But in addition to that, in areas where it is either it's just not possible for China to make those inroads within the UN system, for instance, where this is not regulated to this extent within the UN system, or where the system is just more fragmented, China is also engaging in building parallel structures and trying to introduce its terms and its convictions there as well. The cyber regime, where China is promoting the idea of cyber sovereignty, is one of the key examples where you can see that China is also hosting the Wuhan Summit, like the World Internet Conference, and trying to invite like-minded states and to have more of a agenda setting ability in areas where it would be more difficult otherwise within the established framework. So this is the multilateral dimension. We also have a regional, we have the global dimension. We also have like a regional dimension. And there we have those so-called China plus X mechanisms. So China also in regions where it has specific strategic interests has established and fostered and promoted certain China plus X mechanisms. So that means China plus African Cooperation Forum, the FOCAC, or also cooperation formed between China and the CELAC, the Latin American and Caribbean states, or China and the Southern Pacific states. And now it's 16 plus one, China plus Central, 16 Central and Eastern European countries, where, as you heard, that Lithuania is no longer part of this club, or won't be part of this club, so it's back to 16 plus one. But also China plus the Arab states, there's a China-Arab cooperation forum there as well. So now it's pretty much global. So and some of those agendas, it's quite interesting to see that you have the UN framework, you have this Chinese-owned and parallel institution, and then you have the China plus X mechanism. In all of them, you have an issue of strategic concern for the Chinese side and just being put and promoted on this various levels at the same point in time. And so we have the regional level now, and then there's of course the bilateral level, where depending on the counterpart, it's easier for China to insert certain terms in bilateral MOUs or international agreements with those states. So it is and as I mentioned before, this is happening simultaneously. So we can argue to one, the UN, like what China is doing within the UN is very important, but the other pathways it's pursuing, they're equally important. The regional, the bilateral, and the
and multilateral ones, all of them are being pursued in the same point of time. And the Chinese side appears to be very flexible in changing the agenda and utilizing and activating those specific international forums. We could see this during the like emergence of the COVID-19 pandemic, where, for instance, like the issue area of health cooperation, which within the Belt and Road framework was already one area of cooperation, and there were already all those different mechanisms which China has been already cooperating with those countries. But China has been able to utilize within a very short period of time those very institutions, so within the WHO, but also within all those six those China plus X mechanisms, China has been able to put the fighting against COVID agenda issue on its agenda within those various China plus X mechanisms. And in many of those, China had already put this those on the agenda for several years. So it was quite easy to activate those issues and to have them, for instance, when it comes to promises for vaccine distribution, but also when it comes to distribution of masks and for credits to purchase those masks. This was quite interesting to see how China was utilizing those very institutions in a very fast way. So the area that I have been focusing a lot in the past was actually the Belt and Road Initiative and how China was actually building and following this approach within the various issue areas that are that you can derive from the Belt and Road official documents. And when we go through them, we see that this approach of using the established structures, but also parallel structures, regional forums, bilateral ones, and multilateral ones at the same point of time is pretty much written down in every single of those framework Belt and Road documents. And then you just add the issue area, and for instance, with the Green Silk Road or with the legal cooperation or the digital Silk Road, and it just goes through this very structure. You just have to change the forum China is using to promote its own specific interest. So this is, I think it's quite interesting to see how China is using the Belt and Road Initiative to promote this this very approach. And how we also describe it in the paper, we refer to there's a potentially emergence of China-centered networks. So if we see that we have those different levels with the China and with those issue areas, I think the first question arises is, okay, how do you utilize those China-centered networks? So is China just able to set the agenda there? Is there any rulemaking going on there? Or what is actually happening there? And as a lawyer, I'm most interested in the rulemaking aspect to that. And what I find quite interesting in this regard is that since the fourth plenary session of the 18th Central Committee of the Communist Party, it has become a doctrine of the Chinese Communist Party, and thus more or less also by the People's Republic of China, to engage in international rulemaking and to work towards a more fair and reasonable international legal system. And one of the key areas that is being highlighted there is usually like to protect sovereignty, security, and development interests of China. And we see how China is using many of those issue areas and those forums that I described before to promote those very interests and to project them and to put them on the agenda and to formalize them in those different for us. So there are two pathways that are possible for China. So one of them is to actually change the norms and change the rules. And the other one, which is likely, but which China, it's also the easier path because you have to convince all the different states in order to have not it be only a bilateral agreement or an agreement with like some just a small number of states. So what the Chinese approach has been, and also explicit since 2014,
is to gain discourse power within those international institutions. So with discourse power, I mean that on one side, being able to introduce and to insert new terms, mostly terms that have been defined by the Chinese Communist Party, like the community of common destiny or win-win cooperation, and to have it inserted into international resolutions. For instance, within the Human Rights Council. They're legally non-binding, but there's this reference of terms that have been exported from China. In addition to that, there is discourse power means like to what I would call like to muddy the water. So you have terms that we would consider universal terms, and where we would say there's already a clear definition attributed to them. And the goal or what is being pursued is to second guess the very definition of those terms. So we see this clearly when it comes, for instance, to the human rights debate. So there is, from the Chinese side, there's an interest to introduce terms like human rights with Chinese characteristics, which reflect the Chinese logic of viewing human rights, and which are, of course, very different to a, for instance, how the European Parliament would define and would look at human rights. When it comes to the rule of law, also a term which all, most people in Europe would say, okay, there's a clear definition, there's something I understand. It means that the rules, they constrain the ability of the state, and there's like an inherent value of the law by itself. But in China, this isn't the case. So the law is more instrumental there, but there's now been this push to have like rule of law, socialist rule of law with Chinese characteristics introduced to the international level, and to have this like as an equal, have this perceived as an equal definition of the rule of law. So this is a vision at this point from mostly for the Chinese side, but it's a really strategically embedded vision, as we can see, for instance, in the Belt and Road Legal Cooperation seminars that have been going on for 2 years now. But China is hosting 3-week seminars with countries like mostly from the treaty making department and from the Ministry of Justice of Belt and Road states. And then on the agenda, you have issues which would reflect Chinese definitions of to protect sovereignty, security, and development interests. So this is quite interesting to see this being strategically embedded and already being implemented for a couple of years. When it comes to like the other aspect, which is like the more concrete one, we have what can be observed is just like a more engagement from the Chinese side. So the goal to establish a treaty-based new arbitration mechanism or a treaty-based dispute resolution mechanism under the guidance of the Belt and Road, so far we are just like seeing the very early steps of this. So the BRI courts that we have now in Xi'an, for instance, they're part of the Chinese civil procedure law. So they're not international courts by definition. They're fa-ting, so they're a chamber of a Chinese court just focusing on international issues. It is from the Chinese side, this is like one of the clear goals, and we have like moves towards it of like having these commercial courts between China and African states, and we will see to what extent this will become more concrete in the years to come. Other areas where we see this being more fulfilled and where the Chinese side is more active and successful is the area of law enforcement cooperation. So China has been quite active in establishing a network of extradition treaties and legal cooperation treaties with an abundance of countries to cooperate on fighting against like extremism, terrorism, and separatism, like the three evils, but also issues like transnational crime and corruption. And so areas that are in the interest of China to regulate, but where China is actually more successful in cooperating with other countries and to pursuing its agenda. Of course, not in Europe, but to some extent that could also be of interest and could also affect European citizens when they transfer to those specific countries that have signed agreements with China on law enforcement cooperation. To summarize, well, we're just at the very beginning of this development of
not maybe necessarily of the building of the China-centered networks. Of course, this is a fluid process, but to like the norm setting part of that. So this has been like a key issue for the Communist Party. Like you had this abstract vision in 2014, but not that much has happened since to like on the international front, at least just like some stuff within the Belt and Road legal cooperation framework, but this was since 2019. So just like 18, so just like really, really early, and it's still really fluid and abstract. Process. I participated in many of those Belt and Road legal cooperation forums. This is just, it's really early and mostly focusing on like law enforcement cooperation, anti-corruption and issues like that. But this January, we had a new 5-year, like the first Chinese 5-year plan on building the rule of law in China was published. And this gives a more strategic outlook and concrete outlook how China is willing to become not only regulating law within its own boundary, but also it says specifically to tell the story of the rule of law with Chinese characteristics abroad, and to engage other countries in promoting Chinese perception and Chinese definitions regarding legal issues. And how those Chinese documents always function. So it's just like, well, we have to build more capacity. We have to come up with our own theory of international law with Chinese characteristics and so on. So this is, we have to see to what extent this this can actually become a reality, but it's strategically embedded. It's now clearly, it is one of those many goals the Chinese side is pursuing. And they have to, I would say, now realize very clearly that being able to utilize the law as an instrument, how the Communist Party defines or values law as an instrument to pursue its own interests. This has been now an issue where China is becoming more prepared, better prepared. And when Europeans discuss those issues with the Chinese counterpart, it often appears to be that there's not even a basic understanding of how the Chinese counterpart actually views law, and how they pretty much what kind of definition, what they mean with the definitions. And the Chinese side, sometimes they know both ideas of approaching law and both definitions. So that gives them a certain advantage. So that in Europe, there is still a lot of catching up to do just in order to come up with better strategies to grasp this as a development. So I'm looking forward to the discussion. This was all really, for all of those issues, we could talk, I think, a little bit longer, but I just thank you very much for the invitation. I look forward to the discussion. So thank you, bye. Otero Iglesias est enseignant-chercheur en économie politique internationale à l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Il est également analyste senior au sein du laboratoire d'idées madrilène Real Instituto Elcano. Il a été chercheur invité à l'Institute of World Economics and Politics de l'Académie chinoise des sciences sociales et au Mercator Institute for China Studies en Allemagne. Il est titulaire d'un doctorat en économie politique internationale de l'université Oxford Brookes et ses principaux domaines d'expertise sont l'économie politique comparée, les affaires monétaires internationales et européennes, l'architecture financière internationale, la gouvernance économique mondiale, les théories de la monnaie et les relations de pouvoir entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. My face too, or just my screen? We see both, but I don't know about my colleagues. Not I can share a bit later and I just, you know, show my face at the beginning. Can I start? Good to you, thank you. Okay, wonderful. So, good afternoon. Thanks, Moritz, for this comprehensive overview of China's foreign policy in many, many areas.
this is complementary to what I'm going to do, which is, you know, more on the financial side. But money is a reflection of power as well, of a country. It has not only economic, but as well political dimensions. And in my presentation is going to come from a political economy perspective. And I will try to stick to my 20 minutes here. And by starting essentially with the five requirements or conditions that an economy needs to have or to issue an international currency. A large economy, China has it, well-functioning financial markets. There's a debate there, but most people would say that China is not quite in that league, that its financial markets still are underdeveloped. A stable macroeconomic framework. China over the years has had stable growth, and so that you could see as a tick, yes. Stable political and institutional framework. We can criticize China's regime or China's political system, but broadly it can be seen as stable over the years. We can then discuss whether an authoritarian regime is attractive for foreign investors or not. We'll come to that. And the last point is active political promotion of the currency, which the Chinese government has started to do, especially after the global financial crisis more than 10 years ago. But in the last years, not that vehemently or not that actively. But, you know, this is another requirement to promote your currency. There's a dilemma in international finance. I don't know how many of you have studied economics. I want to try to be here as pedagogical as possible. But the trilemma, in a way, tells you that you can have only two kind of these poles. So only one side, essentially. You can have free capital mobility. Capital investment can come in and out of the country. Europe, the United States function like that. You can have either an exchange rate management or a fixed exchange rate, or you can have monetary autonomy or an independent monetary policy. Your central bank sets the interest rate. Well, in the Bretton Woods period, as most of you have maybe studied, we were more kind of in C. You know, there was independent monetary policy, fixed exchange rates back then, but there were capital controls. Well, China has essentially not moved from this Bretton Woods regime. China, in many ways, still has capital controls. It controls how much capital comes in and out of the country. And this means that it wants a fixed exchange rates and an independent monetary policy, because China wants an autonomous sovereign monetary policy. And that, you know, implies, as I said, that there are capital controls. And this is problematic, because if there are capital controls, usually from a liberal perspective, then the attractiveness of your currency is less, is weaker, because people want to invest in a place where they can go in and out quicker. And over the past decades, the dollar and the euro were kind of free floating. So we don't have, you know, a fixed exchange rate or managed exchange rate. We have independent monetary policy and free capital flows. And that's, you know, goes along with what Moritz has well said, you know, a liberal regime, separation of powers, rule of law, and, you know, all of these aspects. If I could kind of, you know, describe the internationalization of the renminbi over the past 10 years in a graph, it would be this one, right? Which is, you know, the renminbi started to, you know, take momentum when, you know, it was promoted aggressively after the global financial crisis. But after the 2015-2016 stock market crash in China, stock exchange turbulences, financial, you know, instability, there was a lot of capital outflow of China. The Chinese authorities became scared. They restricted even more capital controls. And since then, as you can see here from, you know, Standard Chartered Bank, which has a renminbi globalization index, that, you know, the renminbi is plateauing. So essentially, we don't really have seen much momentum in the internationalization of the renminbi over the past years.
And that you can see in all the different functions of money, right? Money, for those again that have studied economics or a bit of economics, has three main functions. Medium of exchange, we use it to exchange goods and services. Unit of account, we invoice contracts with this particular currency, international contracts, etc. Store of value, where we keep our savings, right? And if we start with the medium of exchange function, which is, you know, how many goods are traded in renminbi, as you can see here, again, you have a rise of usage of renminbi, but in this period, a collapse, and, you know, a bit of recovery, but still, overall, the share of Chinese goods that are, settled in renminbi is around 23%, and this includes actually Hong Kong, which is 80% of all the trade of China in renminbi. And therefore, you know, that means that even the usage of renminbi in China's international trade is quite small. And we can see that as well in the foreign exchange market, right? The currencies we use when we want to change to another currency, right? And here the dollar is by far dominant. This is out of 200, okay? It's not because you have always two currencies, you know, when you exchange, when you go to the foreign exchange, you know, you want another currency, you go, you know, so you have a pair. So it's out of 200. And as you can see here, the dollar is way dominant. And then the euro and the Chinese yuan is even below the Swiss franc in the foreign exchange market. So a very small percentage of global trade. Here you can see it as well in global payments, where the renminbi, this is just another graph, hovers around 2% of global payments are done in renminbi. And again, here, you know, this is below the Japanese yen, even before the Canadian dollar. So a very minor kind of role of the renminbi in global payments. As a unit of account, so how many contracts are invoiced in renminbi? This particular element is difficult to grasp. There are not good data because this is very micro. It's essentially the contracts that companies sign, and that's really, really micro. And here, you know, what we can see is that when it comes to Europe and how Europe trades, the European Union trades, and how it invoices trade, as you can see in imports, settle or kind of sign contracts mostly in dollars, right? Because these are goods that are coming from around the world and the dollar is dominant, and a bit more than one third in euros. And when it comes to export, where we have more pricing power, where we can actually say, no, I want this contract to be my currency, roughly 50% of our contracts of trade are invoiced in euros. And the United States dollar is 34, and other non-EU currencies are this, and other currencies, which would be the renminbi, it's here in this. So we are talking on a very small, because these are really all the other currencies, and therefore the renminbi must have a very small role there here. When it comes to unit of account, we are as well looking at the anchor, because a lot of countries, they link their currency to another currency, usually the dollar, but not only the dollar. I mean, the euro could be, you know, especially in French Africa, Francophone Africa, etc. There's a lot of currencies that are linked to the euro, right? And the view is, you know, the renminbi will only become an anchor in its region when you have a more independent central bank, which it doesn't have still. You know, the government controls the central bank in many ways, doesn't really have the credibility, and it controls as well the exchange rates, and that is problematic. But lately, the Chinese authorities have started an oil futures market, because one of the key commodities in the world that, you know, is very linked to the international currency is oil, right? One of the most traded currencies, commodities in the world, and mostly, of course, in dollars. The Chinese know that, and so they have started a futures market, which has, you know, increased its importance. It's now roughly 10% of the overall trade in oil that is now
invoiced, again, unit of account, invoiced, the contract is in renminbi. That's, you know, still kind of, I mean, for the size of the Chinese economy, still not at the level that it should be. And as I was saying here, you know, there's the anchor role of the Chinese currency, and there the IMF has said that, okay, the Chinese authorities, they are still intervening in the currency. As I said, it's a managed currency. And as you can see here, the assessment of the IMF is, look, the Chinese authorities, they intervene in the short, you know, on a daily basis, although they let the currency kind of take a more kind of market approach in the medium to long term. As a Chinese official told me at the end of the day, the Chinese authorities, they don't really believe in, you know, in free markets or fully floating currencies. They believe rather in administratively managed market equilibrium, right? Which is, I mean, Moritz was kind of talking about the Chinese way of, you know, Chinese characteristics here. It's, you know, it's the same. I mean, you know, the market, let alone, is too unstable, so there's always an intervention, administratively managed market equilibria or exchange rates. When it comes to foreign reserves in central banks, here we see as well that the Chinese currency has a very, very minor role. Kind of 5 years ago, it was still at 1% of overall foreign exchange reserves. As you can see here, the US dollar by far dominant. And then the euro. 5 years later, in 2019, it was 1.94. So you could say it has doubled, but of course, from a very low base. In 2020, the last numbers we have, it's still at 2%. It's increasing. I mean, remember that we started at 1.8, but, you know, still for the size of the Chinese economy, this is very, very small. And of course, again, you know, the Chinese RMB is even below the Japanese yen. You know, and China has overtaken the Japanese economy in size more than 10 years ago. Right? On the store of value side, we are talking here mostly about financial markets, where you could invest, where you could put your savings. And the financial markets in China are developing from a lower base as well. But you have, you know, bigger government bond markets, debt markets. You have corporate bond markets. As you can see here, you know, this is evolving. We have as well here, you know, the strategy to combine Shanghai, Hong Kong, and Shenzhen together, which would be a stock market that is the second in the world after the New York Stock Exchange. So, you know, it's a large market. In all this, the real problem is, again, that this is a market mostly for Chinese. As I said before, there's control of entry of capital in the Chinese market. As I said to you, the Chinese believe in the Bretton Woods arrangement of, you know, managed exchange rate, control of capital flows, etc. And therefore, you know, they limit who, you know, so institutional investors mostly, and how much they invest in the financial system, either stocks or bonds. Then, of course, we have the foreign direct investment. So this is not kind of your portfolio investment. This is more long-term foreign direct investment. And here you can see that over the years, the investment in China has been large. And in the last year, for the first time, China, you know, had more foreign direct investment in the United States. This was due to, of course, COVID, you know, there's fast recovery in China, China being quite attractive in that regard, and the United States being in a bigger crisis, and Trump scaring perhaps foreign investors. And for the first time, China has had more foreign direct investment. How much of that foreign direct investment is in RMB? It's not so clear. The data there not very strong. So to sum up, you have a Chinese currency that, you know, in all these levels is rather small. This is the last line. And as you can see here, this would be trade in terms of trade, in terms of trade volumes, you know, the Chinese currency compared with the dollar, it's really down here. But
Money is not only, as I said, economics, it's as well, geopolitics. Moritz, has already talked about the Belt and Road Initiative, this major project. And the idea is, well, maybe China is not doing it the liberal way, not the market way. It's doing it more top-down, command and control, dirigist from a French perspective. And, this mega project has, of course, trade, but for some, we are here in the Ecole Navale, military dimensions. Here, Hambantota in Sri Lanka is, a point to take into consideration. The military base of China and Djibouti, so this is a major geopolitical project. And in that regard, one could think that China could promote its currency more in a top-down command and control approach. And the Chinese, they always say that development comes with motorways. You need to bring a road to a place to develop that place. And so I highlight now three possible motorways. You call them as well pipelines that China has produced over the years to kind of make the renminbi more attractive. One is currency exchange swaps with central banks, where the Chinese central bank has swaps with other central banks. Here's the list. It's a long list, but not many of those, only Argentina and Mongolia and Hong Kong have activated them. You can see here that China has more currency swaps even than the United States, than the Fed or the Japanese or the European central banks. But as I said, these are just roads. They are not really filled with cars yet, right? So they are empty roads really, but the roads are there, right? Motorways. Then you have the cross-border interbank payment system of China. What is that? That's maybe you have heard of SWIFT. It has been pretty popular in terms of, the Iran kind of deal and how the United States withdrew from it and then imposed sanctions on everyone that was trading or doing business with Iran. And SWIFT is the dollar-based international banking payment system. Again, pipelines, right? It's the payment infrastructure. Well, China has now created its own infrastructure, mostly for Chinese banks, but you have as well other banks going in. This has picked up quite a bit, again, from low numbers. A lot of this is really Chinese banks or banks that do business with China in other parts of the world, right? So, but, in terms of trying to create motorways parallel to those of the dollar, we are seeing some motorways here as well. And here you can see that mostly Japanese, because of the close relationship and trade, a lot of Japanese, a lot of Russian, a lot of Taiwanese, well, the usual suspect banks, they are using more this payment infrastructure by China. And the third motorway that I think is interesting to look at is, of course, something that came up quite a bit in the news recently. It's the e-yuan. Or the official number, which the name, which is digital currency electronic payment. So this is the digital sovereign currency of China that China is promoting. It started pilot projects this New Year's year. In China, the central bank sent gifts, so electronic money, e-money, to a lot of customers or citizens in China. We know that in China, there's a lot of digital payment, more than anywhere else. We know as well that, Alipay and WeChat, these are platforms, social media platforms, but not only that. I mean, you can do a lot of things. This is almost like Google, Facebook, Amazon, and all in one. And a lot of people are starting to pay with the money that they have in the bank account through these platforms. But at some point, these platforms could use the sovereign yuan of China in terms of payment. And the customer base is huge, even larger than the Chinese. A lot of people use WeChat in a lot of parts of the world, and so we're talking here about almost 2 billion people that, in principle, could start using Chinese payment, mobile payment systems in the world. And you have here, how much the Chinese, and also 80% of the population in China is using already kind of their mobiles. They pay everything with their mobile. So
in that regard here, one could say that China has a technological and social kind of advantage. And it is said that the Chinese Central Bank is the most advanced in that realm, right? But of course, the Fed and the European Central Bank are now thinking about as well issuing some sort of digital currency, and we will see some rivalry as well in the digital space between currencies. And so this is the third motorway, which is here you can see the coin. Of course, now there's a lot of talk about it now that Bitcoin is very, so this is not, you know, this is digital sovereign money, different from Bitcoin, but you know, it is important to analyze. But all of this relates to, you know, having motorways, but the key is how many cars will use these motorways. And so far, as the numbers show, there are few cars using it to make the RMB really a competitor, not only to the euro, but I would say even to the Japanese yen. So the Japanese yen still kind of is a more international currency than the RMB. So China is a global economic power, one could say even military power, but in terms of currency, it doesn't really have a currency too much, that particular power. And they leave it there. Thank you very much for this fascinating presentation. I now invite the students who wish to ask questions to make themselves known. Should I start with this room, or should we give the microphone to Ecole Navale directly? So does anyone here have a question for? Yes, all right, if you just give me a second. Go ahead, we can hear you. Try and speak a bit loud, please, thank you. The question is for Mr. Moritz. Go ahead. Guten Tag, Herr Moritz, das ist Herr Hoffmann. Meine Frage betrifft die Karriere Chinas in den Vereinten Nationen. Hier wurde viel darüber gesprochen, dass man die Macht Chinas daran beobachten kann, dass China die Präsidentschaft für viele Organisationen der Vereinten Nationen stellt. Aber überhaupt dahin zu kommen, muss ja schon eine Basis der Macht durch eine Basis der Macht begründet werden. Wo kommt das her? Wie hat die Karriere Chinas in den Vereinten Nationen begonnen? Ich werde das jetzt nochmal auf Englisch sagen. Okay, so in Englisch? Wir haben dich alle verstanden. Wir haben dich alle verstanden. Kein Problem. So, I'm wondering how China could achieve to introduce itself in such a form, in such a power to the United Nations agencies. So I said that we are hearing about observations. China is the head for four agencies, but to manipulate elections for a presidency already acquires a certain form of power. So where does it come from? Where did it start? Thank you very much. Also for your native speaker, right? Thank you very much for your question. Well, I think when it comes to the I said since 2014, we see this being more strategically embedded into like a CCP policy of actually saying, well, now we have formulated the plan to gain more discourse power in international legal affairs as well. And the United Nations is just like one of the forums that that is just like the one of the easiest to utilize in that regard. But of course, like China's influence within the United Nations had already increased before. So for instance, when you look at like Chinese participation in UN peace missions, for instance. So they had always were like the UN Security Council member with more personnel than all of the other United Nations states combined.
And from the Chinese side, I think one of the areas is just like it's a strategic low-hanging fruit to have a forum like the United Nations, where when you have someone being elected, like in within the UN General Assembly, you have all the countries in the world, one country, one vote. And it's just easier to, when you have already relations of and some kind of economic dependencies and good relations that you have already were able to build among many developing countries, it is easier to get reelected. In addition to that, the Chinese side has been really strategic about that. So before, like what the goal or the Chinese side also wanted to head the WIPO. So the UN agency that deals with intellectual property. And what they did before becoming, well, in the end, they didn't get elected, but it was close. But what you see is just like an attempt to go to every capital in the world or in New York to rally and to make your interests known of becoming, of having this person in this specific positions. And of course, I have no direct information about that, but I wouldn't be surprised if there are also economic incentives for countries that are part of the Belt and Road Initiative, and where it's just like there are certain incentives for a country to vote for the Chinese candidate. So this kind of horse trading is, of course, going on all over the place, but the Chinese side is now more active in playing this game than they were playing it before. Thank you very much. Is there another question here before we turn to the other auditorium? Right, so now I'm turning to Ecole Navale. I know that you have a few questions as well. And so over to you. Well, my question is, do you think there is a risk that China could be pushing to head more UN agencies in a bid to reduce the UN's involvement in investigations against human rights abuses in Xinjiang, Hong Kong, or Tibet? My question is for Sir Riddle. For me, I'm not the expert when it comes to the for the financial dimension. So I think this is, of course, Miguel. But when it comes to like using if I understood your question correctly, so do you think there are some kind of sanctions from China as regards to like the other countries and companies criticizing it over Xinjiang? I think this is already happening. And because like this is like one of the core issues for China, so they like when it comes to the specific utilization of like the of the renminbi, I have no idea about that because this is like not my issue. But generally, if you mean that there's like some kind of but response, Moritz, sorry, I think he was saying that whether China will use its power in the UN and UN agencies to reduce the oversight and the monitoring and the kind of, you know, the scrutiny of the situation in Xinjiang and Tibet. Oh, so, and I'm so sorry. That's how I'm I so understood sorry. It, but perhaps, you know. Yes, okay. You're right, okay. That was the question, okay. Okay, I'm so sorry. My internet connection sometimes lags, so I didn't understand you properly. I'm sorry. That was my computer. The interesting thing is, I think yes, like when the Chinese side sanctioned certain European individuals and institutions, I think it was the same day when the UN Human Rights Council actually issued a statement that was in support of Chinese action in Xinjiang. So of course, China is already within those UN institutions, especially within the UN Human Rights Council, they already have the discourse power. So we have seen this with Hong Kong as well. So when European countries are trying to raise their voices and stand up with other like-minded states, so they get together like maybe 29, maybe 30, maybe 40 countries, then like the next step, the Chinese side stands up and they have already prepared and they have more people. They have more people on their side to actually criticize what the West is being doing, and they use, of course, this narrative of like human rights infringement, what
what has been committed by Germany, for instance, what has been committed by the United States, by France, by Belgium, and so on. So within this, the Chinese side is, of course, very active, strategic, and they use social media as well, but also within the United Nations, of course, and there seems to be a certain appetite to have like this, those Chinese narratives to be pushed forward. So the Chinese side has been quite successful in doing that, at least in gathering the countries. So, for instance, another perfect example for this, I think, is the Minister of Foreign Affairs Wang Yi is visiting was visiting Saudi Arabia, so traveling through the Middle East. So this is a region where you could like people in Europe would assume that if someone was to criticize the situation in Xinjiang, it would be other major Muslim countries, but this is not happening. Those countries are cooperating with China when it comes to counterterrorism. Those are the countries where they have law enforcement cooperation promoted in a really successful way. And when there is the Universal Periodic Review within the UN Human Rights Council, those are the countries who cherish the Chinese human rights record. So in Europe, what is happening is really counter, but on a moral argument, this is counterintuitive when it comes to like the real economic relations and like to the interests that those countries have. This is quite understandable. But just to make it short to like your question, I think this is already happening. We're already there. Thank you, sir. We've got another question. Can we go ahead? Yes, good afternoon. I have a question for Mr. Otero. And my question for you was, does the image of China as a dynamic economy meet the truth of it being a command economy largely supported by the government? And an example of that would be the Belt and Road Initiative, in which the Chinese government has largely supported much of the industry that's going into this financial project. Thank you. No, it's clear that China's a state capitalism, right? It's not really a free market economy. We acknowledge that in the West, in the WTO, the idea was that China would join and then in 15 years it would become a market economy. It has not done that. It has developed its own state capitalism, and it is a more of a command and control state-led capitalism. And the Belt and Road Initiative, of course, is the paramount foreign policy project of China. And when it comes to currencies and when it comes to image and how attractive a place is, of course, one element is, as you say, the dynamism of the place. And China over the years has shown this dynamism. And the last year was in that regard for China, again, you know, a great opportunity to show that it can handle major crises like a pandemic. And my view here is that for 200 years, there was always a liberal power and with liberal kind of settings, having the main international currency. Whether we move now into a world that is less liberal, more illiberal, more authoritarian, less democratic, in an environment like that, perhaps a state-led capitalism like China might be more attractive to foreign investors than in the past. But this is still a big if. I think today still, and the dollar shows that, and the euro shows that, most investors, they still bank on you know, countries that are, or regions that are liberal and with liberal features. Thanks for the question, though. Yes, absolutely. Thank you. So, go ahead. Good afternoon, sir. I have a question for both of you. My question is, China seeks to redefine the rules of the international legal organization it belongs to in order to pursue its interest.
does this behavior threaten the cohesion of the international legal and diplomatic community? Did you want to start, Miguel, and then I add something if there after you? Yes, happy to go for this. With kind of economic power comes political power. With political power, Moritz alluded to that in his talk. It comes the kind of the shift from a rule taker to rule maker. And I think, you know, we are now confronted with you know, a system that is different or quite different to ours. You know, which has a long history. You know, China at the end of the day is a civilization dressed up as a state, but it is really a civilization with, you know, its norms and rules and principles and priorities and interests. And you know, there is, I think, very few options. One is either you isolate, you confront it, you you know, you contain that, or you try to accommodate it, you try to socialize it, or you try to cooperate with it. And I think, you know, as you know, the strategy of the European Union, for example, vis-a-vis China, is that China is at the same time a partner in things like global, you know, global pandemics and climate change, in a lot of multilateral arrangements, a competitor, an economic competitor. We compete on all levels, and we will compete at all levels, you know, economically, but as well, one could argue as well politically, and as Moritz was mentioning as well, in a lot of international organizations. And we are systemic rivals because our system, our values, it, you know, they are different, very different than those of China. And this accommodation is not easy. And as you know, there's a big debate on whether, you know, one should contain or one should, you know, decouple, or one should engage, continue to engage with China. My view here is that given China's size and importance in the world, you cannot give it your back. You know, you cannot just close your eyes and say, I'm not gonna, you know, I don't want to deal with, you know, this actor. You will have to deal with it, no matter what. Also, if I may add, what I think one of the, well, I agree with what Miguel was saying. I think one of the problems I think that are arising is that it becomes increasingly difficult to agree on definitions. So when we could be talking about the same issues, like for instance, the Chinese side says that they are in favor of multilateralism. And then the German government says, well, this is exactly what we want as well. But from the Chinese side, multilateralism is actually viewed as multipolarity. So it's not about the process, but it's about a structure. And this makes it really difficult because you cannot agree on the process, because then from the Chinese side, how multipolarity is being conducted is in a really, often a really China-centered way, but how the German side would define multilateralism, it would be completely different. And in those terms, they're actually emerging. There are more and more issues that we have like this. And as you said, like the rules-based international order, legal order, for instance, this is like also in from a European perspective, this is also one of those issues that we want to put on the agenda. And we say, well, this is actually what Europe can present to the world as something of key importance. Like, for instance, in the German Indo-Pacific guidelines, like the rule of law is one of the main issues. But China is now actually, like in Chinese terms, like fa zhi, which means many things. But it, in the end, it means like utilizing the law to promote your own goals as an instrument. So you have a complete, like we could be using the same terms, but in the end, we could be talking about and utilizing this in practice in a completely different way.
So this has the potential of actually having, of not being able to discuss any issues at some point. So in some practical issues, of course, like when it comes to monetary policy, like for civil international, like civil law questions, for instance, it becomes easier because there we have a common ground. But on other issues of where like the foundations of the legal system, like where the like moral issues come into play, it becomes increasingly difficult to have a discussion with the Chinese side, because they are of course more and more self-confident about making the argument, why would we need to share all the assumptions that European countries or Western countries, the United States, would have. And they've been becoming increasingly vocal about that. And this has this makes it really, really difficult to find a balance. But international law as an instrument is like, it's actually prepared to deal with that. But there is, at least from many countries, like the assumptions of how international relations and how to deal with China, for instance, we need to rethink them, or at some point it's just not possible to deal with China any longer. And then you either contain or you look for other alliances and say, okay, this we just agreed that we don't want to, we there's no area of cooperation. And so there's some other, it's just like the confrontative path. Or if you are trying to have this this path of engagement, then it is necessary, in my opinion, to understand at least the logic where the other side is coming from. And this is something where there's such a big gap of knowledge and of interest that makes it so difficult to have any kind of exchanges. And I'm afraid it will become more and more difficult in the future. So we are more and more going like in a downward spiral of having a new Cold War becoming like a self-fulfilling prophecy. So this is a development that we have seen in the past, where it's just like it's becoming less and less less interesting, also from both sides, to try to understand where the other side is coming from. Thank you, sir. I was told that there's one more question from Ecole Navale. Am I correct? Yes, we're ready. Okay. Thank you, sir, for your presentation. Good afternoon. Do you have any examples of China challenging international law to avoid its to aid its interests, similar to the highly publicized arrest of two Canadian citizens in response to the extradition of Huawei CEO's daughter? Well, I think the question there, of course, is well, you could, for instance, use the South China Sea arbitration case. So you have at least you have a mechanism that came up with a specific result. The Chinese side is denying the legitimacy of this process. But if you say that this was a legitimate process and China lost this process, there is China is with its ongoing behavior, it's breaking international law. Like this is there are so many issues where this is being discussed. But the question, of course, like when we talk about Hong Kong, for instance, then there's the argument being made, well, this is actually in violation of the joint declaration, the Sino-British joint declaration of 1984. So but we are in a situation where we don't have any mechanisms to like through an international court, for instance, to make this decision that there is a violation there, yes or no, because the Chinese side doesn't submit itself to the judgment of the International Court of Justice. So we are there's a stronger politicization of this. So when it comes to like, for instance, where within the WTO
framework China is engaging with in this process, and when it is breaking international law, it actually follows in many cases suit with the ruling of the body of the WTO to make this decision. So it depends on the issue area. But you can be sure that when it comes to human rights issues, for instance, there's a clear Chinese argumentation. It's always the same argument that this is an internal affair. It's a question of sovereignty. They don't. There's an argument being made why the Chinese side defines this term in its own way and why they wouldn't consider it a human rights violation. Then Western countries say, well, no, but according to us, this is a human rights escalation. Then what kind of mechanisms do we have to have this be, then we have like an enforceable ruling. We just don't have mechanisms for that. So it's so we are in a really tough spot there, because the very definition that what we are talking about, they're not even shared. The Chinese side says they're human rights with Chinese characteristics. In France or in Germany, would say there is a universal element of human rights, and the Chinese side is violating against it. Then the Chinese side would say, well, there's a more relativistic approach to human rights. It is at least not possible with the current mechanisms that we have to solve this issue in a legal way that would be efficient and would work, unfortunately. It's more easier when it comes to economic relations and to other aspects that are not being defined as questions of sovereignty, of security and environment and development interests. There is, because of the instrumental interpretation of the law by the Chinese side, there would not be an interest to follow suit. And that makes it so particularly difficult to come up with the same definition and view of the rule of law when engaging with China from a European perspective. I don't know if I answered your question, but this is all what I can say at this point. Thank you. Yes, thank you so very much. We were interested in your answer, because the question was mainly how China is using a legal issue to promote its interest, and also how sometimes it's not so legal. So you were perfectly in the theme. Thank you, sir. Thank you very much. We've got another question for Mr. Otero from one of the followers on the YouTube channel of Géopolitique de Brest. I'm translating the question. What, according to you, will the Western countries or do when China circumvents and even opts out of SWIFT with its own alternative mechanisms like Alipay or WeChat? Well, thanks for the question. I think when it comes to international currency rivalry and competition, this is not a beauty contest, right? It's always a less ugly contest. And I guess, you know, the attractiveness of China in many regards is due to its economic dynamism. And I think, you know, if the West wants to really compete with China, at the end of the day, we'll have to improve its economic dynamism, its economic performance, its own system, right? I think now the Biden administration has made a big emphasis on this, that we need to be strong at home first. We need to tackle our problems that we have in our own system to make it more attractive. And so I think, you know, it's difficult. And if we want to take Moritz kind of, you know, analysis on the human rights or, you know, international organization front, and how China along the years has won more and more and more allies, you know, more and more countries that are willing to side with China on many issues, right? So money is a reflection
of a society, of the power, the economic and political power of a country. And, you know, the West, if it wants to continue to be attractive and powerful and so that, you know, the countries around the world and citizens around the world, people around the world use their currency and their payment systems and their, you know, pipelines or motorways or whatever you want to call them, you know, it's at the end of the day, it's because of the attractiveness of their economy, of the political system, of their societies. And I think that that would be, for me, the biggest advice is, like, you know, it would be difficult to stop China's rise, you know, to confront it, to try to derail it. I would even suggest that destabilizing China is not in our best interest. But what we need to do for sure is to still believe in our system and strengthen our own society's economy so that we remain attractive and China's model, which we think it's not a role model, remains, you know, less attractive for the rest of the world. Thank you very much. Is there another question here in the room? I think everyone's exhausted and very happy with everything that they've heard. I just have to thank you very much for being part of this last panel of the online edition of Géopolitique de Brest. It was fantastic to be able to have you with us this afternoon. Thank you once more. Thanks to all our contributors this afternoon. And we hope to maybe see you sometime in Brest in a future edition once the pandemic is over. Thank you very much and have a great afternoon. Thank you so much. Bye. Thanks for the invitation. A bientôt. Au revoir. Voilà.